Yaya To. Yaya To, Yaya To. Yaya To, Yaya To. Ne sont pas ici. Yaya To, Yaya To. Yaya To, 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 Maman. Otaro, 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 Tangula, 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 Tangula. Tangula, vivi, vivi, vivi. Mes amours de bébé, oui, la reine galloise est arrivée au Cameroun. Oui. Pour l'ouverture de Asda 3, Bafoussa. Envoyez le cœur, partagez le direct, envoyez le cœur, s'il vous plaît, Seigneur le Dieu. La grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu toujours qui élève cette action. Ah, c'est Dieu. Par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu, la reine galloise, papa Christian, tout le monde, on a ouvert. Mes amours, par la grâce de Dieu, on a ouvert Asda. Asda, Bafoussa, il sera opérationnel chaque samedi. Chaque samedi. Parce qu'ici, Asda, nous avons trois Asda aujourd'hui. Douala, Yaoundé et Bafoussa. Le triangle national. Voilà, voilà le téléphone noir. Et on va répondre à une abonnée, à une dame. J'ai voulu lui répondre en écrit. Mais comme je ne sais pas avoir beaucoup écrit là, j'ai dit que c'est qu'elle veut faire le direct. Que je veux lui répondre avec les parents. Voilà. Je vais lui dire ce qu'elle a écrit. Les gens sont pour les pieds. Bonjour mes amours. Bonjour la team des 100 voix. Ceux qui soutiennent la reine galloise, les bienfaiteurs, bienfaitrices. Bonjour mes amours de frères et sœurs. L'Esprit de Dieu me dit de répondre à cette dame avec les parents. Parce que beaucoup posent la question chaque fois. Mais je dois répondre maintenant là. Je dois répondre, baissez le volume là-bas. Je dois répondre avec les parents qui sont là. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez mes amours. Il n'y a pas de personnes connectées. Connectez-vous mes bébés. Mes amours de frères et sœurs. Hier j'ai reçu à Yaoundé. Puisque c'est la semaine de l'anniversaire, l'UTM finit son anniversaire aujourd'hui. L'UTM clôture son anniversaire aujourd'hui. Malheureusement, il est trop fatigué, il dort. Vous savez, demain on va voyager. Il ne faut pas que je le bouscule trop.
Ah, si je le poursuis beaucoup, il va faire l'hémorragie. Oui. Oui. Nos enfants sont fragiles. Oui. Aussi. Oui. Ah, mes chéris, vous entrez à besoin d'attendre, soit de parler, soit de lui entrer. Celui-là, il attend là-bas. Tu as vu, non? Oui. Mes amours de frères et sœurs, oui. Mes chéris, oui. Luther est fatigué. On a laissé Luther se reposer à la maison. Oui. Mais le paquet que Luther a remis, que je vous donne, c'est là. Oui. Luther a dit que donne le fonds de commerce à deux mamans aujourd'hui. À... Oui. Le fond de commerce à ces deux mamans. C'est pas ça, mes chéris, pourquoi? C'est ça. Écoutez-moi très bien. Donc, on va choisir deux mamans ici qui auront les fonds de commerce. Avant de commencer, attends, je suis en direct. Attends d'abord. Bon, avant de commencer, déjà d'abord, on va lire le commentaire de la gamme Silla. On a fait le héros hier. On a fait le héros hier à Yaoundé. Ah, mes chéris, oui, vous savez que Asda. Première nécessité de Asda, c'est la nourriture. La nourriture. Parce qu'on sait que ce pays-là, ce n'est pas facile. Amen. On connaît que nos enfants là, beaucoup de nos enfants ne mangent pas bien chez eux. Dieu m'a donné la vision que nourrit d'abord les enfants. De la nourriture, notre première nécessité. Envoyez le cœur partager le direct, s'il vous plaît. Et aux autres personnes qui ne font que djoum djoum derrière moi. C'est vous-même qui allez nous reprendre ce que nous faisons à Asda. Qu'est-ce que la dame dit? Comprenez ce que la dame dit. Hein? On ne va pas appeler son nom. On va juste lire son commentaire. Elle dit ceci. Comprenez bien. Hein? Mais je ne comprends pas vraiment le projet. Elle ne comprend pas vraiment le projet de Asda. Ok, pour faire sortir les parents de ses enfants de l'isolement. Mais la suite, c'est quoi? Elle demande la suite, c'est quoi? Pour les, la suite, c'est quoi? Pour les enfants, juste les nourrir ou alors assurer leur éducation et leur santé. Donc elle demande que c'est pas pour vous nourrir que vous êtes là. Donc les parents, attendez non, ne dis pas que c'est petit non, on lui répond non. Bon les parents, les enfants, toi viens la mère de Bicano. Tu m'as dit ce que Asda a fait pour toi, à part la nourriture. Réponds, dis bonjour à la diaspora, tu réponds très fort, bonjour à la diaspora, bonjour à tous les bienfaités et bienfaitées. Oui. Ce que Asda m'a apporté vraiment, c'est vraiment de la joie. Je n'avais pas de souris à la maison, j'étais toujours isolée, on m'insultait de partout. Et quand j'ai retrouvé la reine galloise, elle m'a vraiment... Qu'est-ce que tu as eu comme service de Asda? Tu es plus précis. J'ai eu un fonds de commerce. Tu as eu quoi? Un fonds de commerce. Voilà. On me dit fonds de commerce, l'enfant est hospitalisé, il a eu une brûlure au niveau de son pied. Et qui t'a aidé à payer la facture aussi? C'est la reine qui m'a aidé à payer la facture. Non, Asda, dis Asda. Asda m'a aidé à payer la facture de l'hôpital. L'hôpital de l'enfant. Il a eu un choc au niveau de son pied auquel j'ai même passé la cicatrice. Maintenant, c'est maintenant cicatrisé. Mm-hmm. Qui t'a aidé à guérir ça? C'est Asda qui m'a aidé. C'est pas Asda. Pour l'argent voilà, et tout et voilà, tout. C'était pas grave. On met de la nourriture. Quelle éducation il reçoit ici? Parle là, Abba. La méthode Abba, dis-le. On reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup. Bon, c'est-à-dire qu'on apprend les parties de la tête du corps humain à l'enfant. Il y a les dessins même qu'on apprend pour orienter l'enfant aussi. Il y a aussi même les jouets aussi, les montées pyramidiques qu'on apprend aussi à l'enfant. Maman chérie, bon, c'est bon maman. Tu as Asda de plus, à part la nourriture, on te doit Asda. Parce qu'il faut savoir que si on vend sa famille n'a pas un, ouais. Si on ne nourrit pas, tu vas apprendre comment. Oh, eh bien chérie, envoyez le cœur, partagez le direct. Si Dieu m'a révélé que nourrit les enfants. Nourrit les enfants. Eh mais maman chérie, elle parle de l'éducation. Maman, tu as un enfant à la paralysie cérébrale. On parle de l'éducation de cet enfant-ci, hein, maman chérie. Qu'est-ce que Asda fait pour toi ici? Depuis que je suis arrivé ici, là, elle ne pouvait pas compter de 1 jusqu'à 5. Depuis qu'on est arrivé ici, là, elle parle de 1 jusqu'à 5. Elle parle des parties de son corps. Bon, et pour le massage, on la masse ici, on ne la masse pas. On la masse chaque jour qu'on vient ici. Est-ce qu'elle n'a pas le massage ici? Elle a le massage rassuré. Hein, maman? Le massage est gratuit. Fait par une professionnelle spécialiste qui a un enfant aussi avec l'handicap et que cet enfant a guéri. Là, voilà le témoin ici, la maman. Envoyez le cœur, partagez le direct, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Bonjour le monde entier, bonjour la diaspora positive. Voilà. Franchement, Asda. Tiens, maman, parle, représente-toi. Moi, c'est la mère de Sylvestre, votre fils, qui travaille dans Asda. Depuis 3 ans. Voilà. Sylvestre, c'était un enfant IMC. Sylvestre a marché à 14 ans. Vu mon expérience que j'ai eue à la clinique par le docteur Mbachou,
pour ceux qui connaissent Mbacho, le pédiatre Mbacho. J'ai été formé pour ça. Voilà. Parce que dans le temps, on ne connaissait pas ce qu'on appelait l'autisme. Voilà. IMC, on ne connaissait pas. Donc, je partage cette expérience avec mes soeurs. Avec les autres, bon, allez, la petite pour elle. Et sans vous mentir, beaucoup de mamans ont des témoignages ici. Puis il y a les enfants qui sont arrivés à Asda, qui étaient raides, qui ne parvenaient même pas même à s'asseoir, qui ne parvenaient même pas à mettre le constant de l'élice. Donc, franchement, que le Seigneur inspire celle qui a posé cette question-là, maman reçoit cette réponse. Parce que moi, j'ai de l'expérience là. Voilà mon fils Sylvestre, il a 24 ans. Il a marché à 14 ans. Il marchait un peu une mère d'enfant de zéro. Donc de la grossesse jusqu'à 14 ans avec un enfant au dos, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Donc je partage l'expérience là avec mes soeurs qui ont les enfants IMC, qui ont les enfants et non maman chérie, ils n'ont même plus les enfants à marcher. Mais mes amours, nous avons la foi. Mes amours, nous avons la foi. Toutes ces familles que vous voyez là, toutes ces familles que vous voyez là. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ont la paralysie cérébrale, qui ne peuvent même pas bouger, qui ne peuvent rien faire. Mais ici à Asda, on a donné la confiance à ces familles-là. Vous qui trouvez seulement que c'est la nourriture à Asda, qui est le projet. J'aimerais que vous me dites, quelle structure sociale au Cameroun fait ce que je fais? Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît. Il y a beaucoup de structures sociales qui ont l'argent, qui sont même subventionnés. Mmh. Et que chez eux, ils écrivent à but non lucratif. Oui. Dès que le parent entre, déjà pour avoir la consultation cérébrale, il faut payer. Le parent se retrouve que à but non lucratif est devenu à but de lucratif. Je ne suis pas là pour blaguer avec les gens. Je suis là pour travailler au nom de Jésus. Amen. Et si c'est que je répondais à cette dame-là, c'est parce que j'ai eu l'opportunité, je suis devant les parents, que c'est les parents eux-mêmes qui vont dire ce qui se passe. Vous voyez toujours la nourriture parce que vous avez tellement faim. Et il n'y a personne pour vous donner. Ça vous fait tellement mal qu'une dame comme moi, je me lève et je nourris le peuple. Ça vous fait tellement mal. Moi, je ne pas dire qu'on est un gaz. Il y a une photo. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas ça, mes chéris. Dieu m'a montré que Asda, c'est d'abord la nourriture. Maman chérie, avec ton enfant un peu, Flore. Amène ton enfant, amène ton enfant la paralysie. Toi, tu amènes l'enfant, viens bébé. Amène des lits. Amène des lits. Bon, amène des lits. Voilà. Mais la mère. L'enfant de la paralysie cérébrale. Tu vas assurer l'éducation de cet enfant dans quoi? Montre-lui bien l'enfant là. Tu vois l'enfant s'il soit éduqué comment? Toi qui as posé la question là. Ouais. Tu prends l'enfant la paralysie cérébrale. Qu'elle soit. Elle a quelle éducation? Là voilà. Bon, si moi je nourris, c'est bon. Là-bas, les enfants à la Paris, c'est bon. Là, voilà. Là, voilà. Envoyez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. Les enfants, là, maintenant, ils ne se plaçaient même pas debout. Là, maintenant, il est droit. Tenir le cou comme ça. Là, son massage. Bon, disons que, maman, tu as raison, mon vœu. Je nourris seulement ces petits. Pardon, ouvre alors une structure pour assurer la santé et leur. Ça. Non, mais le fait même de les encadrer autour de vous comme ça là, les remonte énormément. Ça les remonte. Elle n'est pas la seule qui pose. Sortie de la maison. Elle n'est pas la seule qui pose. Il y a même des gens qui étaient mes personnes sur les réseaux sociaux. Bon, ils ne les entendent plus là. Qui sont derrière tout ça. Pour demander ce n'est que l'éducation. Mais depuis que ces gens-là qui étaient avec moi sur les réseaux sociaux là, ils tournent pour les mauvais esprits sur les réseaux sociaux. Et ils n'ont rien du tout. Hein. Elle tourne aussi les logés en haut, à gauche, à droite. Hein, maman, vous posez la question, vous voyez la nourriture, le cœur bas. Comment vous voulez que j'aille donc je fasse ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Et si on n'a même pas cette nourriture, on va leur donner quoi à la mer. Voilà. Hein, s'ils ne sont pas capables de donner, il y a des gens de bonne volonté qui le font, qui vous soutiennent pour ça. Donc à partir de maintenant, je ne vais plus répondre par écrit. Je vais lancer la vidéo avant de répondre à tous ceux qui ont posé la question. Et mes gens, la type de 100 voix qui est sur ma page là, eux ils vont venir te répondre sur ton post. C'est pas ça mes chers. C'est ça, envoyez le cœur, partagez le like s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît, envoyez le cœur. Yaya to,
Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, partagez le direct, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Envoyez les cœurs, partagez le direct, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez le direct, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Yaya do, yaya do. 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 Envoyez les cœurs, partagez le live. Yaya do, yaya do. Yaya do, yaya do. Envoyez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Yaya do. Yaya do, 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 yaya do. Yaya do. Yaya do, 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 yaya do. Mama, 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 mama,
Envoyez le cœur partagé au live, s'il vous plaît, au signal. Tamboula, 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 Tamboula. Envoyez les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. On ne va pas pleurer, n'est-ce pas? Maman est venue fêter, c'est un an de plus. Il n'y a pas le gâteau, non? On va dire Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Il y a le gâteau, maman. On va faire la mise en place. Non, attends, la bombe. Envoyez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, partagez le live, on signale le live. Envoyez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le live, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le live, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le live, envoyez le cœur s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le live. On signale le direct. Envoyez le cœur, partagez le live, envoyez le cœur s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le live. Envoyez le cœur, partagez le live. Envoyez le cœur. Il va un peu la parler. Tantango, mais c'est crao. Tantango, mais c'est crao. Tantango, bon choix là. Tantango, malongeau. Oui, bébé, ça va. Ça va, bébé, vas-y là-bas, va comme ça, oui, va là-bas. Va pour maman, oui, après on va te donner. Mes amours, il y a Dieu à Asda. Ne doutez plus trop de Asda. Moi, mais je n'ai pas le pouvoir ici. Vous et moi, on n'a pas le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. Le pasteur Christian m'a prié. Chabonzui, le pasteur Christian est là. Notre pasteur de Asda. Un grand pasteur, quand il touche, il met la main sur toi, tu guéris même. Amen. J'ai dit au pasteur Christian est venu aujourd'hui. Vous avez vu? Amen. Est-ce que vous savez que tout le monde devait avoir son émission aujourd'hui à Asda? Non. Tu peux te voir pasteur Christian là. Tu as beau pasteur Christian. Voilà. Ah, pasteur Christian. Hein. Ah, tu avais un signe de l'église. Vous me posez la question que c'est mal la nourriture à Asda. Si je ne nourrissais pas les enfants, ils devaient avoir des entrées comme ça. Vous devez déjà comprendre que Asda, c'est le pouvoir de Dieu, ce n'est pas le pouvoir de la reine galloise. Je vous ai dit que je n'exécute que la voix de Dieu. Quand je poste les nourritures sur la toile, ce n'est pas pour vous effrayer. Ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est que Dieu a choisi les réseaux sociaux pour moi, pour œuvrer pour les enfants là. Je poste la nourriture pour montrer aux d'autres structures là qui ne donnent pas la nourriture, qui disent abus lucratif qui disent abus non lucratif. Et que c'est abus lucratif, c'est de changer leur façon de faire. Vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Moi, mais je suis bénévolat à Asda. Moi, mais je suis bénévolat du Seigneur. Je ne gagne rien. Je suis bénévolat de Dieu.
comme les bénévoles qui sont là. Nous sommes des bénévoles de Dieu. On ne gagne rien ici. Parce que l'argent que je mets à chaque mois, tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne vas pas le faire. On va laisser maman Tonza parler d'abord, avant de continuer à parler, parce qu'elle a beaucoup aussi à dire. C'est son anniversaire aujourd'hui, son jour. Je ne savais pas qu'elle devait avoir l'anniversaire aujourd'hui là. Mais on va lui donner cette chance-là. Maman Tonza, c'est moi qui va mettre la caméra sur toi. Là, je vais répondre aux questions. Maman Tonza, regarde comment maman est belle. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est vraiment belle, son mari ne peut pas la laisser. La plus vaillante, la plus charmante, la plus coquette, la plus amoureuse. Elle est la plus belle parmi les femmes Bangoula. Pourtant, c'est la plus belle parmi les femmes Bangoula. Aïe, bien joué, tu t'entends, vous battez Foucault. Maman va t'en ton tour. Allez, vas-y, maman. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Chabouzi. Bonjour, maman. Bonjour, les enfants. Bonjour, maman. Bonjour, la reine galloise. Maman, chérie. Vraiment, c'est un bonheur d'être ici ce matin à l'occasion de. On nous a dit mon anniversaire. De maman découvrir, chérie. Hein, vraiment, nous voyons tout ce que la reine galloise fait. Maman. Nous venons juste l'aider. C'est un bois que la nourriture. Et l'encourager, non, il faut laisser. Merci. Nous venons maman. Juste l'aider et l'encourager dans l'œuvre, quoi. Maman chérie. Chacun fait sa petite part. C'est elle qui est là, vraiment. On essaie de mettre la main un peu. Et vraiment, courage à toutes ces mamans-là, vous qui vous occupez de ces enfants différents. Bravo à maman. On vient donner ça, on fait ci, on s'en va. À la fin de la journée, c'est vous qui restez avec les enfants. Vraiment, c'est à vous que nous disons merci. Voilà. Et que le Seigneur vous donne la force de continuer. Amen. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. À toi, la reine galloise, on va te dire qu'on t'a déjà tout dit. Maman chérie. Ce n'est pas que c'est le. C'est ce que l'ancien le dit, maman. Sinon, ce n'est pas facile. C'est ça, mon être humain de pouvoir faire ça. Il y a toujours les hauts et les bas, maman. Il y a les détracteurs, il y a ça. Mais il faut rester focus sur l'essentiel. Merci, maman. C'est l'essentiel. Vraiment, c'est juste un petit verre d'eau pour partager avec vous. Vous dire bonjour et puis bon, on va essayer de faire chemin comme on peut ensemble. Chabonzu. Très bonne journée à vous et vraiment courage aux enfants et courage aux mamans des enfants. Merci Chabonzu. Merci maman. On va prendre le gâteau de maman. Où est le tuyau de maman? Ton gâteau est où? Je ne sais pas partager. Non, pas maintenant, maman. Okay. On est d'abord pasteur Christian. On donne la parole à pasteur Christian. Allez! Allez! Christian, allez! Pasteur Christian, oyez! Oyez! Levez-vous pour la prière, s'il vous plaît. Le pasteur Christian est debout. On se lève pour la prière. Et béni le cadeau de maman. Béni Asda. Béni Asda, les enfants, les mamans. Béni maman, la fondatrice. Voilà, allez-y, maman. Papa pasteur, c'est à ton tour, papa. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. C'est encore par sa grâce que nous sommes là aujourd'hui. Amen, pasteur. On n'a pas fait d'effort pour nous lever ce matin. Beaucoup se sont couchés comme nous hier, d'autres se sont levés morts, d'autres se sont levés étant malades. Mais Dieu a voulu par sa grâce que nous soyons là aujourd'hui, amen, encore en ce lieu, pour célébrer les un an de plus de Mama Tong. Mama Tong, Tong Oulanto. Voilà, c'est une grâce. Parce que quand tu fais tes un an de plus en communiquant l'amour à ceux qui en ont besoin, ou le sourire aux enfants qui pleurent, ça veut dire que Dieu va davantage ouvrir le ciel pour toi. Amen! Parce que les cris de ces enfants-là vont augmenter tes jours sur la terre. Amen! Et à cause de ce que tu as fait là, tes ennemis vont souffrir derrière. Ouais! Et ils souffrent jusqu'à. Voilà. Donc, tout ce que Dieu, tout ce qui vient de Dieu est combattu par la terre. Ah oui! Tout ce qui vient de Dieu est combattu. Parce que Christ est venu sauver le monde. Et Christ a été combattu jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et il n'a pas manqué de donner. Donc, ce que je veux aussi te dire ce matin, c'est de t'encourager. Jésus n'a rien pris de quelqu'un. Il a multiplié le pain, le poisson, il a donné aux hommes. Il a changé l'eau en vin, il a donné aux gens. Il a guéri et il a donné. Il a passé son temps à donner. Donc la nature de Dieu, c'est de donner. Voilà, merci ce n'est papa. Pas de recevoir. Merci. C'est de la même façon que quand on plante un mangue, le mangue n'a jamais demandé de l'eau à l'homme. Mais chaque fois que ça produit, les hommes veulent sucer son mangue.
Donc tu es ce genre de personne. On va te lancer les cailloux. Quand il n'y a qu'un seul fruit en haut, tu vas sentir mal, mais tu vas toujours donner. Amen. Donc ne t'occupe pas de ce qu'on dit de toi. Fais ce que Dieu a Amen. Mis dans ton cœur. Amen. Que le Seigneur t'encourage aussi toi-même. Merci. Et qu'il te fortifie davantage. Amen, papa. Et toute l'équipe aussi, vous aussi, vous avez besoin d'être encouragé. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur Amen. Vous fortifie. Parce que ce n'est pas facile. Et surtout aussi pour les mamans. Parce qu'avoir un enfant que tu ne peux pas fermer l'œil, de nuit comme de jour, ce n'est pas évident. Partagez, envoyez les cœurs, mes amours, s'il vous plaît. Évident. Partagez, mes amours, s'il vous plaît. Pardon, mes amours. Combattez cette œuvre. Vraiment, soyons humains. Regardez la peine de ces mamans-là. Peut-être voilà. Toi, tu as ton enfant. Tu dors, tu te lèves le matin. Mais eux, à chaque heure, les enfants crient, pleurent. Regardez ce genre de femme. Voilà. Regardez un enfant comme ça. Elle-même, elle n'a plus de vie. Elle n'a plus de vie. Alléluia. Amen. Donc soyons humains. Ces mamans n'ont plus de vie. Les enfants chient. Les enfants font tout. Imagine ton enfant a 12 ans. L'enfant chie sur toi. Oh. Comment tu vas faire? Ça veut dire que toi-même, tu ne peux plus te sortir pour travailler ou chercher de l'argent. Voilà. Tu ne dors plus. Le sommeil n'est plus réglé. Donc frères et sœurs, soyons humains. Ça veut dire que quand quelqu'un, Dieu met une charge à quelqu'un comme ça, soutenons la personne. Mm. Personne de nous a l'argent. Moi-même, je viens assister. Je n'ai pas d'argent. Mm. Mais nous venons communiquer cet amour et nous venons l'aider, la soutenir dans cette œuvre que le Seigneur Amen. Lui a accordée. Amen, papa. Donc, cessons de la combattre. Encourageons-la. Amen, papa. C'est vrai qu'il y a le faux, mais il y a aussi le vrai. Et quand il y a le vrai, acceptons le vrai. Et marchons comme ça. Alléluia. Amen. Donc je ne pouvais pas prier sans déjà communiquer ce que j'avais dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc maintenant nous allons prier et nous allons remettre tout ce moment entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est notre Père et notre Dieu. Et c'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Alors nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de gloire. Nous venons encore en ce jour, Seigneur, te rendre des actions de grâce et te dire merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais à Asda, pour tout ce que tu fais dans la vie de ta servante, Seigneur, la reine galloise, et pour tout ce que tu fais dans la vie de son équipe et de tout cela qu'il est au travers du monde. De tout cela que, Seigneur, que toi tu touches le cœur et qui apporte, Seigneur mon Dieu, leur bras d'aide, Seigneur, pour que cette œuvre avance. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Oui. Seigneur, tu as vu que ces enfants étaient oubliés. Toi qui es le Dieu des orphelins et le mari des veuves. Toi qui es le Dieu des faibles, Seigneur mon Dieu. Tu as suscité, Seigneur, cette dame à qui tu as communiqué, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta pensée vis-à-vis des enfants différents. Amen. Des enfants qui n'ont pas d'avenir. Des enfants qui souffrent. Des enfants qui sont nés, Seigneur mon Dieu, mon roi, étant paralysés. D'autres qui ne voient pas, oh Dieu. Seigneur, personne d'autre ne pouvait porter ce fardeau. Mais Seigneur, tu as déposé cette grâce dans la vie de ta fille. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur merci, mon Dieu. Nous voulons te dire merci parce que merci, tu as porté ton choix sur sa vie. Tu as porté ton choix sur son équipe. Tu as porté ton choix sur tout cela, Seigneur mon Dieu, qui la soutienne de près ou de loin. Seigneur, c'est par cette grâce que nous sommes ici aujourd'hui. Nous voulons te dire merci, Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci, Seigneur merci, des Seigneurs. Parce que nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. C'est pourquoi je veux continuer, oh Dieu, à te recommander, Seigneur, cette œuvre, Seigneur. Seigneur, sois devant cette œuvre, Seigneur mon Dieu. Chemine avec Asda jour et nuit. Amen. Marche avec Asda, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que tu marchais devant ton peuple d'Israël, Seigneur mon Dieu, avec la présence de nuit au devant d'eux, avec un feu derrière eux, éternel mon Dieu. Seigneur, marche avec ta présence devant Asda. Marche avec ton feu derrière Asda, yes. Seigneur. Afin que les ennemis, ô Dieu du dos, ne puissent pas atteindre, Seigneur, cette œuvre, éternel mon Dieu. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi, Seigneur mon Dieu. Tu as dit à Moïse, je suis avec toi. Va où je t'envoie. Seigneur, sois davantage avec ta fille. Sois davantage avec cette équipe, éternel mon Dieu. Et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à conquérir le Cameroun et aller à l'extérieur avec Asda. Yes. Amen. Seigneur, il y a beaucoup de envoie les cœurs, envoie les cœurs. Seigneur mon Dieu, il y a beaucoup d'enfants qui ont ce problème, Seigneur mon Dieu, pas seulement à Douala, ni à Yaoundé, ni à Bafoussam,
mais il y a encore d'autres, Seigneur mon Dieu, à l'est. Il y a d'autres au nord, il y a d'autres au sud, il y a d'autres partout au Cameroun, Seigneur. Amen. Nous prions que tu étendes, Seigneur, cette œuvre, Seigneur mon Dieu, et que eux aussi bénéficient de la grâce que tu as déposée sur la vie de ta fille, Seigneur mon Dieu. Et la grâce que tu as déposée sur la vie de toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui participent à cette œuvre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons que besoin de toi, Seigneur. Bénis davantage cette œuvre parce que tu es Dieu. Nous voulons aussi, Seigneur, te bénir en ce jour, Papa, pour ta fille et ta servante. Seigneur, que tu as touché le cœur. Et donc, elle est venue donner une offrande, Papa, pour ses un an de plus, éternel mon Dieu. Amen. Seigneur, je me souviens que, Seigneur, dans la Bible, le jour où Hérode a eu son anniversaire, c'est ce jour qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Oh. Jean-Baptiste est mort à cause de l'anniversaire d'un roi. Jean-Baptiste a été... on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'un roi mondain célébrait son anniversaire. Seigneur, regarde ta fille aussi qui est venue, Seigneur, te rendre grâce. Oh Dieu, en participant, Seigneur mon Dieu, à la joie de ses enfants. Amen. Seigneur mon Dieu, ce que je demande pour elle, éternel mon Dieu, ce n'est pas la mort de ses ennemis. Ce n'est pas la mort de ses adversaires, Seigneur mon Dieu. C'est que ceux qui sont ses ennemis la voient vivre assez longtemps sur la terre. Amen. Et voient les œuvres que tu vas accomplir dans sa vie à cause de ce geste. Amen. Que ne meure pas. Que aucun de ses ennemis ne meure, mais qu'il puisse voir ta grandeur dans sa vie. Qu'il puisse voir ta main établie dans sa vie. Amen. Qu'il puisse voir comment tu vas l'élever davantage. Amen. Seigneur, à cause de ce geste, que le ciel ne se ferme jamais sur sa vie. Amen. Que le ciel va vouloir lui donner que ça descende dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Je prie pas seulement pour elle, je prie pour ses enfants jusqu'à la 10e génération. Amen. Quand tu bénis jusqu'à 1000 générations. Amen. Seigneur, visite-la, Seigneur, jusqu'à ces générations. Amen. Que l'acte qu'elle a posé, Seigneur mon Dieu, la suive. Suive ses enfants. Suive ses petits-enfants. Amen. Suive les enfants des enfants qui vont. Amen. Nous t'entendons. Amen. Je prie au Dieu. Tu dis Amen, maman. Je prie au Dieu que tu la soutiennes. Yes. Je prie au Dieu que tu sois avec elle. Yes. Je prie au Dieu que tu sois présent dans sa vie. Yes. Et que tout projet qu'elle a dans ce Cameroun, dans la terre du Cameroun, que Seigneur, que ce projet, Seigneur, soit favorable au nom de Jésus. Amen. La terre du Cameroun ne te refusera rien. Amen. Que tu vas entreprendre ici comme tu as des projets. Que le Seigneur t'accorde la grâce de réaliser tout ce que tu vas faire au Cameroun au nom de Jésus. Amen. La terre ne s'opposera pas à toi au nom de Jésus. Amen. La terre ne te bloquera pas au nom de Jésus. Amen. À cause de cette offrande que tu as portée à Asda. La grâce qui est à Asda va couler dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La bénédiction qui est à Asda va couler dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis chacun de nous, bénis les enfants, bénis leurs parents et fortifie-nous davantage. Que ta grâce demeure dans nos vies et que ta lumière soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles et les siècles. Amen. 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 On applaudit le Seigneur. Madi, wa, adalati, madi. Vous pouvez partager, ma. Allez. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie.
Chérie, attendez un peu. Les cadeaux n'ont pas suffi à tous les ans. Ceux qui ont reçu, hein, mes chéris, dans la paix du Christ, n'est-ce pas? Donnez à ceux qui n'ont pas. Ou bien, mes chéris, allez-y, allez le partage. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Attendez bien. Voilà, ceux qui n'ont pas, venez ici, ceux qui n'ont pas eu. Ceux qui n'ont pas reçu. Doucement, maman, doucement. J'aimerais dire aux gens aussi de la toile, à tout le monde entier, cet enfant est aveugle. Hormis d'être autiste, il est aveugle, il est sourd. Voilà, vous voyez l'enfant, c'est notre enfant. La reine galloise Asda, nous recevons aussi des enfants aveugles, sourds-muets, autistes ici à Asda. Voilà. Voilà notre fils ici, là, il est là. Il est aveugle, sourds-muets et autiste. C'est ça, non, mon bébé. Nous voilà là-bas. Donc nous essuyons les larmes de tous les parents. Voilà. Partagez, mes chéris, pardon de dire en bois les cœurs. Chabunzui. Il est le gâteau. Non, c'est bon. C'est bon, maman. Oui, c'est bon. Tu es encore là, mais tu vas partir. Non, on va partir. N'est-ce pas, maman? Oui, on ne voulait même pas que tu partes. Ouais, maman. Ouais, Chabon Zumbi. On va revenir. Maman, maintenant qu'on connaît l'endroit, on va revenir. N'est-ce pas, maman? Que tu sois là, les mamans sont là. On va revenir. Merci, Chabon Zumbi. Merci. Envoie les cœurs, maman. Envoie les cœurs à ton toi. Ouais, maman, ton, oh, maman, ton, maman, ton. Maman! Oh, maman, ton, beau, ton, goulant, ton, bon, maman, ton, eh. Maman! Maman tombe en goût, mais c'est grand, bon maman tombe. Maman! Oh, maman tombe la plus belle, bon maman tombe. Maman! Et comment, maman? Wotaro! 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 Allô, bon mon, comme je viens! Allô, bon mon, comme je. Maman, l'on a un bon temps, non? Mon âge, on a tout le temps. 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 Mon Tangula. Envoyez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Mesdames, maman, on a ici le plus grand chef des réseaux sociaux. Maman, nous avons la visite aujourd'hui du plus grand chef. Dans mon nom de la voiture. Le plus grand chef des réseaux sociaux. Le plus grand chef des réseaux sociaux, j'ai nommé Cheikh Rodrigue. On a fait Cheikh Rodrigue. Chérie, j'ai envie de te voir. On a vu le temps. On a vu le papa. Le chef Rodrigue est là. Le chef Rodrigue a un projet avec vous. Et lui va s'exprimer devant vous, n'est-ce pas? Le chef Rodrigue, c'est une page très populaire sur les réseaux sociaux. Vous voulez manger sa nourriture ou pas? Vous voulez manger sa nourriture ou pas? On le laisse parler, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour tout le monde. Alléluia, boum! Alléluia, boum! Alléluia, boum! Alléluia! Chaka, 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 boum! Jésus est le meilleur, le meilleur, le meilleur. Vis-à-vis des baisses, en les baisses, en les baisses.
vous savez tous, c'est Chef Bourdieu que le mannequin des cuisiniers. Le mannequin des cuisiniers. Le mannequin des cuisiniers a souhaité partager avec ses frères, ses fils, ses enfants et ses mamans. Une journée, on va préparer ensemble et on va manger tous ensemble. Donc vraiment, voilà, pour une façon pour nous aussi, n'est-ce pas, d'ajouter la pierre à l'édifice de ce que la maman, la reine galloise a déjà... J'ai ajouté une pierre. Vous voyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît. De contribution. Hein? Okay. On dit que c'est pas qu'on aura les millions qu'on a. On va donner. Maman, la première fois, il m'a donné ce qu'elle. Et cette journée, ça va se passer ici même. En direct. En direct. On va cuisiner. Et cette journée sera le 2 avril. La journée mondiale de l'hôpital. Le chef Bourdieu, vas-y, papa, parle. On restera avec vous, on va cuisiner. C'est que vous voulez. Vous ne pas que les enfants vont manger et vous nous dites, vous allez nous communiquer alors. Vous allez communiquer. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît, envoyez le cœur. Macha! Non! Tiens, vas-y, va cuisiner. Tiens, vas-y, vous faire manger les escalopes de poulet francs pour toi. Envoyez le cœur, partagez le direct, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Ce jour-là, ils ont déjà dit le menu aux poussins qui vont manger. Les cibous sont venus après. Quand ils vont manger, le watabou, le héros et le risotto. Ils ont poulet aux enfants. De toute façon, je vous dis. Parce que alors. Vous Je ne vais pas le dire.
La fille, j'ai un portail à ton boulot, s'il vous plaît. Ah ouais, ouais, allez. Oh, tant là. Envoyez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Attends un peu, la plaque va se voir. C'est bon, Asda se voit déjà. Envoyez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le direct, envoyez le cœur s'il vous plaît. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît.
envoyez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Qui n'a pas encore le fond de commerce ici là? Qui n'a pas encore le fond de commerce? Moi. Tu as pas eu ça à la banque depuis? Qui est là depuis là? Qui est là depuis là, presque 3 ans? Qui est depuis 3 ans? Qui n'a pas le fond de commerce? L'ancien centre. L'ancien centre. Envoyez le cœur, partagez le direct. Et bien, l'anniversaire de Luther. Luther a décidé de donner, excusez-moi s'il vous plaît, Luther a décidé de donner 50 000 francs CFA. C'est des fois Luther donne plus que, on a, parce que les satans de Luther est un peu de partout, on donne plus de 3 millions de francs CFA à Luther pour son anniversaire. Et cet argent-là, on a tout mis ça dans Asda. C'est vrai que c'est grâce à ça qu'on travaille à Asda et Bafsam depuis là. C'est tout la hanne de Luther. Le maire de Bafsam 2 a donné 975 000 francs à Luther. On a toujours donné. Donner, faire. Donc c'est là de lutter qui est là de faire les choses, tourner à ça aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit, mes chéris? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Lutter sur le grand feu des enfants différents. Amen. Comme l'anniversaire de sa soeur, elle a donné son don. Même son anniversaire, même ses millions sont tous à l'écart. Ah, ça. Hein, mes amours. Voilà pourquoi tout esprit négatif contre la reine Gaba, c'est une essence de faire. Vérité. Donc, ici, on va remettre 25 000 francs de fonds de commerce. Il y a des gens qui demandaient que c'est moins 25 000. M'a dit ce que tu fais comme dans la vie. Parlez-les. Bonjour au monde entier. Bonjour. Parle fort, pardon. Bonjour au monde entier. Bonjour à Jacques. Moi, je suis la maman d'un enfant autiste. Non, il est pas autiste. Il est. Il est. Qui peut pourquoi apprendre? Il n'est pas autiste, maman. Il est IMC. Il est IMC. Je suis la maman d'un enfant de IMC. Dans son âge. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Il ne marche pas, il ne parle pas, il lui met les couches, il ne s'assoit pas, rien. Je lui porte tous les jours. Et je suis une jeune maman, c'est mon premier enfant. Je fais dans la coiffure depuis des années, depuis 2007. Je suis avec mon fils, je souffre tous les jours. Grâce à maman reine, je souris là, tous les jours, je pleure, puis je me renferme puis dans la maison avec l'enfant. Je sors, je viens ici tout le temps. Je dis franchement, merci maman reine, merci. Non, merci à Dieu, merci à Dieu. Et merci à Dieu, je t'aime aussi. Ensemble, nous n'avons pas la peur. Envoyez le cœur, partagez le direct s'il vous plaît, envoyez le cœur. Bon, ma chérie, voici l'argent que Luther donne pour 25 000 francs CFA que Luther va donner à cette maman-là pour augmenter son fonds de commerce, non? On va donner, il va rester 5 000 sur ça, donc tu vas donner à celle après. Donc, on va donner 25 000, viens. Non, toi tu as l'air bizarre. Toi tu es toujours en train de vouloir parler. Tiens. Il y a nos enfants différents sur le one tête ici là. Nos enfants différents sur le one tête. Ils sont différents, non? Mais ils ont encore. Ils sont désigués. J'aime les filles. Celle-ci là, avant relève. Bon, tu vas remettre ça à maman. Tu as vu, non? Au nom de Luther. 25 000 francs pour le fond de commerce. Vas-y, bébé. Envoyez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. Merci à Luther, merci beaucoup, merci, j'aime aussi, merci. J'ai un anniversaire, on y va. Les gens de Yaoundé ont produit un tableau à Luther. Ah, c'est Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a produit pour Luther aussi à Douala? Envoyez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît, envoyez le cœur. Oh, mais là, c'est vraiment son cœur aussi. Je suis la maman d'un enfant qui a la paralysie cérébrale. Je fais mon petit commerce à la maison, le charbon et les petits trucs à la maison. Et 25 000 va te servir, maman? Oui, ça va me servir déjà d'augmenter mon capital de charbon. N'est-ce pas, maman chérie? Tu vas leur dire merci à l'été, non? Merci à l'été et joyeux anniversaire. Viens, maman, viens, chouchou. Envoyez le cœur, partagez le direct. Tu donnes la maman, tu donnes la maman. Merci. Merci. Mais
merci à la reine galloise. Que Dieu continue à la bénir et qu'elle continue à qu'elle fait. Merci à Luther. Ah, tu vas laisser Amine, non? Tu vas laisser Amine, tout ça. Maman, vous êtes content? On est content. Très content, maman. La maman. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, partagez le Dieu. Maman chérie, vous n'avez pas eu, non? Ne vous inquiétez. Le 2 avril, là. Et le 2 avril, vous donne tous les fonds de commerce. C'est pas ça, mes chouchous. C'est ça. Tout le monde va avoir son fonds de commerce. Non, tout le monde va avoir son moment. C'est pas ça, mes chéris, pour vous. C'est ça, maman. Rien que les bienfaiteurs donnent là. Parce que les bienfaiteurs, eux, ils ont des problèmes. Les bienfaiteurs, eux, ils ont des problèmes. Et il y a parfois, eux, ils ne donnent rien parce qu'ils n'ont pas eux. Ils ont aussi les familles à... C'est pas ça? C'est ça. Donc si on a l'entrée, on va vous donner. Si on n'a même pas l'entrée, que la reine galloise, Dieu bénit que... En blanc, me grève, en Europe, me donne un peu d'argent. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Si Dieu bénit que... Je me mets... Oh, bah, il y a beaucoup de gars qui tiennent le conteneur, on m'appelle pour aller charger le conteneur. Avoir extra d'argent. Eh, mes chéris, je vais mettre à côté pour vous, non, mes bébés. Priez seulement que Dieu nous donne tout le travail. Hein? Amen. On va vous soutenir, hein, mes chéris. Amen. Ensemble, nous faisons la force. Aujourd'hui, là, on va vous partager le sac de Matabo. Dites merci à la bienfaitrice. La bienfaitrice qui est abonnée de Maman Tong, de Maman Tong Tong Dorcas. Tong Dorcas Dike, qui a envoyé 100 kilos. Voilà les macabos là. Apportez ça, non? Où sont les gars là? Apportez les deux macabos ici. On va vous donner ça. Miguel, pardon. Vous l'avez apporté pour ça? Les hommes, pardon. Les 100 kilos de macabos. Les 100 kilos de macabos que Maman Chabenzui, l'abonné de Maman Dorcas a donné. On va vous partager ça maintenant. Mais chez Rosy va arrêter le partage. C'est pas ça, mes chéris. On dit merci à la maman là, non? Envoyez le cœur, envoyez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. Maintenant, pour les frères et sœurs. Et il y a la maman, je vais les parler, maman. Va porter ça dans ma cour, bébé. Quand tu veux mettre, fais la mise en place. Mes amours, et il y a l'abonné de Maman Dorcas Djiki. Maman, je suis devais t'appeler depuis pour te remercier. Maman, c'est manque le temps, je suis tout up and down. Je vais avoir le temps, mais je vais rentrer à la maison à Cardiff. Je vais t'appeler maman chérie. Maman Dorcas m'a donné ton numéro, Chabonzui. Vanessa et vous, maman, envoyez le cœur à cette grande dame. Abonnée de Maman Dorcas Djiki, qui a envoyé 100 kilos de macabole depuis lundi. Maman Dorcas Djiki est venue remettre ça elle-même à Asda. Donc on va partager ça aux parents maintenant dans la transparence. Merci maman. On va partager aux parents. Le reste, on va faire le quoi au cou la semaine. Le menu de la semaine, c'est quoi au cou sauce blanche? Le menu de la semaine, vous voulez ça? Quoi au couscous blanche? Donc, le menu de la semaine prochaine, c'est quoi au couscous blanche? Donc, toute la semaine à Asda, la semaine prochaine, à partir de lundi, c'est le quoi au couscous blanche? Comme je vous ai dit que c'est un menu par semaine à Asda. Parce que nous recevons différents parents chaque jour, de lundi à samedi. Ce n'est pas les mêmes parents qui arrivent. Donc, on fait manger les parents la même chose. On ne dit pas comment on a fait. Avant, je faisais, je m'embrouillais. Mais avec l'esprit de discernement que Dieu me donne de jour en jour, j'essaie de regarder les choses. Un parent ne va pas dire que ouais, on a fait le quoi au coup lundi. Aujourd'hui, on fait le plantain pilé. Non. Si on a commencé le quoi au coup lundi, on finit la semaine qu'avec le quoi au coup. Sauce blanche, la viande et le poisson fumé. Pourquoi le poisson fumé? Parce que le poisson fumé, le parent peut manger le poisson fumé, l'enfant mange la viande. Dire que le parent et l'enfant vont manger la viande, c'est beaucoup pour moi. Aïe, c'est pas facile. Donc, j'ai opté que poisson fumé, viande, poisson fumé, poulet. Et les parents ont un plat de nourriture avec les enfants. Voilà pourquoi vous voyez toujours les repas beaucoup. Parce que le parent mange avec son enfant. Il ne mange pas seul. Le parent mange le même plat avec son enfant. Voilà pourquoi vous voyez tout. Nos plats sont toujours énormes. Parce qu'on essaie de nourrir bien ces familles-là. Et la nourriture est très importante. Mais si tu vas apprendre aux gens, tu vas apprendre des choses aux gens, si tu ne nourris pas ces personnes-là, ils ne vont rien comprendre. Apprenez à nourrir ce que vous voulez qu'ils apprennent. Apprenez à les nourrir. Les enfants viennent chaque fois. Les enfants sont gros ici. Les enfants sont bien portants parce qu'on les nourrit d'abord très bien. On a su d'abord leur repas. Hein, mes amours. Voilà les 100 kilos de macabo là. Voilà ça. L'abonné Maman Dorcas. Voilà les 100 kilos que t'as envoyé, maman. C'est Maman Dorcas qui fait le macabo. Hein. C'est Maman Dorcas. Ce sont les semences de Maman Dorcas. Elle fait les pommes. Elle fait le manioc. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait les pommes de thé et tout. Donc c'est Maman Dorcas. Maman chérie, alignez-vous avec vos sacs. Hein? Voilà, il y a Baba, il y a Rodrigue. Le chef Rodrigue dit qu'il va souvent prendre les pommes chez Maman Dorcas. Après, je vais se nourrir un peu. Bonjour, Baba.
Maman Dorcas Ndiki. C'est une blogueuse et influenceuse sur les réseaux sociaux. Oui, maman Dorcas. C'est le King Kong des réseaux sociaux, maman. Ah bah King Kong, réseaux sociaux. Je vais m'abonner là-dessus. Oui, oui, hey, c'est le King Kong. C'est les gens qui appellent Chacha. Donc, avec les membres, la reine Mère Bio qui est. La reine Mère Bio qui a. Elle a Johannes beaucoup le roman. Hey! Voilà, oh, reine Mébio! Bon, vous n'attendez pas parler au Dieu, achetez ton nom, maman. Après Kigali, c'est Johannes Bo. Ah, mof, midé. Non, bravo, Chabonzui. Je suis fier de vous, maman. Oh. Mettez les sacs. Bah, les ventilateurs, maman, ton Tangoula, toi, apporté. Maman de Bangou, de Bangoulap. Tangoula, toi, d'une fille Bangoulap. Voilà, c'est donc qu'elle a apporté. Hein? Plus de 5, elle a apporté 5 ventilateurs, plus de 5 ventilateurs. Elle a apporté plus de 5 ventilateurs, oui. Merci mon bébé. Non, non, ça me calme. Comme tu as pu, tu m'as donné. Tu as pris. Tu as pris, non. Tu as pris, tu m'as remis. Tu as pris, mon bébé. C'est, bon, c'est bravo à toi. Donne la mécano, tu as pris, non. C'est ça l'avantage, les gens ils sont bien. Quand tu es bien, Dieu te bénit. L'argent est tombé, 10 000 est tombé. Une maman d'un enfant a prié, m'a remis. Je lui ai remis ça qu'elle donne à l'enfant. Qu'elle nourrit l'enfant avec. C'est comme ça là. C'était pour elle que Dieu donnait. C'est tombé, elle a vu. D'autres, l'autre parent avait pris 30 000 ici à l'époque. Elle a fui avec. Tu te rappelles, non? Quand j'ai ouvert Asda, Aldel, au premier Asda, le commissariat central. 30 000 sont tombés. Elle a prié, elle dit qu'elle arrive. Elle faisait le jet, elle tremblait, non? Elle est partie. J'ai cherché 30 000, elle n'a pas vu. C'est sur 10 000 est tombé maintenant là. Elle a vu, elle peut aussi prendre. Elle m'a remis. Mais Dieu a dit que c'est pour elle, je lui ai remis ça qu'elle nourrit l'enfant avec. C'est comme ça la vie. Maman 100 kilos, pas besoin de. Maman 100 kilos n'est pas beaucoup. Hein. Deux coups de râpé, c'est déjà la moitié, bravo. Oui, voilà, ça on va partager aux parents. Partager aux... Mettez ça en tata, maman, Charlotte. Mettez en tata. Non, ramassez. Maman, attends. Non, maman, attends un peu. Ramassez ou jetez dans le truc. Mais maman, alignez-vous ici là. Non, non, prenez ça, vous mettez. Vous mettez, c'est ça, vous ne pouvez pas être travail. Oui. Maman, je ne sais pas ce que je dis, dit maman Charlotte. Prenez comme ça, vous mettez dedans, non? Non, c'est bon. Mais ici, Edith, mets là-bas. Mets encore. Voilà, c'est bon. Merci. Le chef se met là-bas. Le chef se met là-bas. Mettez pas ici là. Pas le chef aussi. Pas le chef. Le chef aussi, partage aussi. Voilà. Maman, va le macabre est en train de partager pour les parents. Et ils vont faire le quoi aux enfants à la maison. Voilà, chef aussi, c'est bon. Voilà, deux tours. Ça va, vous prenez deux tours. C'est comme ça, voilà, quand le chef du patin là, un tour, voilà, et deux tours, c'est bon, voilà, très bien papa. Restez en rang. En rang, ça va suffire à tout le monde, c'est beaucoup. Et il y a les autres qui vont quitter le Bafoussam samedi soir, parce qu'ils vont travailler à Bafoussam. Asda Bafoussam serait ouvert de 8h30 à 14h samedi. Les bénévoles ils seront là-bas, en temps, ils vont acheter encore le macabo. Ils vont prendre le macabo là-bas. Pour Paris. On peut dire à maman Dorcas de nous livrer le macabo. Hein. Ouais. Non, on va dire à Maman Dorcas, va appeler Maman Dorcas. Elle nous livre le macabo ici la semaine. Pour préparer le corps aux enfants. On achète le macabo en route. Pourtant, notre soeur fait le macabo. Pourquoi? Ça, c'est le macabo pour le râper. Pour le râper, ma mère. Ah. Et après, pour préparer à mon soeur. Ok, c'est bon alors. Le pelé. Maman, le macabre, le 30 000 peut suffire pour Asda toute la semaine. Oui. Maman, parce que c'est le tabou, non? Mais tabou, Asda, elle va 30 000, elle va avoir plus, elle va 100 kilos. Pourquoi faire de l'eau à 100 kilos, Asda, en Zilindjou? Aïe, non, maman, vous. Bon, bon, l'eau 100 kilos, on n'a pas de bouseur, Yaoundé, non? Oui. N'y a-t-il? Bienvenue, Boité, bonsoir papa. Vanessa et Bouna, coucou ma star. On fait de la transparence mes chéris. Nous recevons, les gens ils disent que qu'est-ce qu'on fait encore Asda. Asda permet aux bienfaiteurs de déposer les dons. Enfin, nous recevons, nous donnons aux sans-voix, aux familles démunies qui ont des enfants de 0 à 16 ans atteints de handicap, la paralysie cérébrale, la trisomie, l'épilepsie, l'autisme. Donc Asda permet aussi aux bienfaiteurs de déposer les dons. Enfin, qu'on nourrisse des familles.
de lundi à samedi. Donc ne voyez pas seulement la nourriture, nous servons les enfants dans les directs. Vous voyez aussi les services qu'Asda apporte à ces familles-là. Mais seulement les frères et les familles se rencontrent entre elles, les mamans, comme en Europe. Comme chez nous en Europe, le one-to-one. Parce que je ne comprends pas. Là-bas chez nous en Europe, on a des structures sociales où les parents vont s'asseoir avec d'autres parents, ils tapent seulement les commentaires. Ils essaient d'échanger par rapport à le partager de leurs enfants. On les donne le café, un peu de repas. Ils sont contents. Ils sont contents. C'est ça que la reine galloise a apporté ici là au Cameroun. C'est ça que la reine galloise a apporté au Cameroun, mes chéris. Si d'autres veulent faire l'éducation, ils n'ont qu'à faire l'éducation aux enfants, ouvrir les tubes pour faire l'éducation sans payer. Parce que nous ne voulons pas des structures pour l'éducation, vous dites qu'à but non lucratif, et pour voir les enfants payer les 500 000 francs, les 1 million de francs CFA. Dans le reste ici là, on va faire le macabo râpé. On va commencer le macabo râpé la semaine avec la sauce blanche de Son Django. Le poisson fumé, il va encore venir, on va encore manger ça. Oh, Micro les a donné pour rentrer à la maison. La semaine pour les activités d'enfants. Et il y a encore le macabo râpé Son Django avec la morée et la viande. C'est pas ça, mes chéris. Voilà. Les habits que la dame l'a apporté où? Les habits. Je vais sortir ça avant. Oh, il arrive. Chabouzi, tu parles déjà, maman. Reste encore un peu. Ouais. On n'a pas vu que tu parles de temps. Ouais, ton. Maman, il ne mange pas. Non, ça va. On a laissé les enfants là. Ils sont deux là-bas. Ils montent les ventilateurs. Ouais, monter ventilateur. On suit. Ton est. Ouais, maman chérie. Tu passes seulement ça. Tu me dis, c'est vraiment avec toi. Tu me lances même pas une vie. Tu passes, tu me lances même pas une vie. Oh, il n'aime pas ces tons. Oh, donc t'as pas de me dire une bière que je bois comment? Tu vas boire la cage, mon ton. Tu vas boire la cage, il va ma petite séquille là. Lousa, lousa, lousa. Regarde ça. Va ma petite séquille là. Voilà, vas-y, d'aller tchaya. Regarde ici, vas-y, bonjour ici. Va d'aller tchaya. Ma petite chérie fait besoin de ta grande soeur. Bonne arrivée. Ceci, là. Ma petite séquille d'aller tchaya là. Ceci. Maintenant, regarde, il y a ton ton. Oh, dit papa yo. Maman tonto. Maman chérie. Ma quoi, ma maman tonto. Tu vas pleurer, maman. Maman, vos chavons, oui. Maman, vous venez là. Tu vas vous venir, tu vas arriver. Non, on va pas voir là, non. Ah, tu. On va pas m'aider. Maman. Donc, vous êtes là, donc vous êtes pas m'aider. Regarde comment les filles, regarde comment les femmes sont. Franchement. Ouais, on fait quoi en Europe? La sinistrie va nous tuer en bain. On ressemble aux vieilles mamans en bain. Regarde les femmes de doigts là. Pourquoi bon, on va vous aux États-Unis, maman? Tu achètes quoi à Luther? Ah, maman, tu achètes quelque chose pour Luther, c'est qu'il l'aime. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu achètes à Luther. Maman, tu auras donné autre chose, maman. Mm-hmm, pour votre Luther. Mais autour, on ne donne pas, on ne donne pas à Asda. Non, il est où? Il est à la maison, il dort. Ah oui, non, laisse-le. Il est trop fatigué. Parce qu'on est rentré hier dans la soirée, non? Et quand il est fatigué, l'hémorragie. Oui, il commence à cracher seulement l'hémorragie. Qui... Je vais lâcher ça aujourd'hui, pas demain. Ma chambre, on peut en compter à vous, non? Maman, ton goût là. Merci, bébé. Deux abus, vous êtes deux abus, non, maman? Oh, sans faute. C'est bon, maman chérie. Sans faute. Merci, Chabouzi. Maman, les belles femmes de doigts là. Regarde les belles femmes de doigts là. Regardez mes soeurs. Regardez comment mes soeurs sont belles. Regardez comment vous êtes là, d'abord. Regardez mes soeurs. Ouais! Maman, elles sont belles, maman. Regardez la beauté de mes soeurs. Maman, allez bien, maman. Merci infiniment, ma star. Merci, maman. Merci. Bon, là, parce que là, on a encore donné à lutter. Parce qu'on a encore donné à lutter. Maman, lutter est chanceux jusqu'à. Hey, ya. Wambo. Maman, lutter est chanceux. Non, lutter ne va pas donner à quelqu'un ici, maman. Non, ne sais pas comment vous êtes en haut. Vous avez eu l'autre jour. C'est comment avec toi? Non, non, Macha, qui est là? Macha, là. Macha. Voilà. Hein? Non, laisse d'abord le souci. Tu vas en prier. Bon, mes amours. Voici une bienfaitrice qui est venue avec le sac. J'étais pas été à Bafoussam, n'est-ce pas? Elle va reconnaître son sac. Maman chérie, toi qui as porté les dons aux enfants. Maintenant, on va les partager ça maintenant. Maman Charlotte, tu vas déballer ça, mettre dans le dessus de truc, maman. On ne va pas les donner que vous venez prendre. On va appeler chaque personne, on donne son tas. Si ça ne suit pas ton enfant, vous regardez, vous échangez entre vous. Il n'y a pas de queue, venez ramasser. Parce que plus barbare que les Azadois, il n'y a pas. Plus barbare. Azadois, là. Azadois, n'ont pas le lait. Ouais, Azadois, n'ont pas le lait, maman. Ah, il y a où de la discipline, c'est la magie. Azadois, là, c'est que tout t'équipe. Oh, laisse ça. Laissez ça.
Maman. Ouais, chef Audric. Maman Charlotte. So, on va parler à Balamba, c'est bon. Tu gambo, vous l'avez dans le bouche, vous voulez, je vais voir. Pardon, finir la cérémonie, c'est là. Chef Audric. Ah, Baba. Vous allez prendre un tata, on veut. Voilà, chef Audric. Abonnez-vous sur la page de chef Audric massivement. Voilà un enfant du Cameroun, un jeune garçon qui fait dans la cuisine moderne, la cuisine traditionnelle, la cuisine authentique. Chef Rodrick, le mannequin des chefs, le plus beau des chefs, il n'y a pas son deux. Le pouvoir des chefs du Cameroun, il n'y a pas son deux. Abonnez-vous massivement sur la page de chef Rodrick. Amen. Amen. Merci. Les mamans, après d'aller vous abonner sur la page de chef Rodrick, hein? Voilà. Il sera là le 2 avril pour la journée mondiale de l'autisme. Il va venir nourrir les enfants de Asda. C'est pas ça? C'est ça, maman. Ensemble, nous lui avons fait la force. Oh, on va le soutenir pour qu'il fasse bien les choses. C'est pas ça, mes bébés? C'est ça, voilà, mes chéris. Baba Chambre va être dans le partage. Baba, vous portez seulement un petit tata à vous donner. En 5-5. En 5-5. En 5-5. Maman, on commence par ici, là. 5 personnes ici, venez. Tu mélanges avec l'autre, machin. Mélangez un peu. Voilà, donne. Bah, Chambre Rodi, donne là-bas. Mambo, si ça ne te plaît pas, tu donnes 5-5, non? Si ça ne te plaît pas, c'est notre problème. Donne les dons, s'il vous plaît. Oh! C'est qu'il y a de là, elle dit qu'elle voulait voir que ça vous plaît à quelqu'un ou pas. Pour faire rire, la dame qui a pris son temps est venue donner les dons d'Abila. Elle n'a pas remarqué si vous avez les enfants de 5 ans ou même 10 ans. On va seulement donner. Si ça vous suivez, vous donnez ça à vos enfants ou bien le. 5-5, 5-5. Mélangez bien, mélangez 5-5. Ici là-bas. Oh, 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 on dit pas ici d'abord, c'est quoi? Ça passe comme ça, non? Ça passe comme ça. Mince alors. Si ça finit, en gros, le te ballon en haut. Il y a l'autre ballon en haut là-bas. Non, Sylvestre, mélangez pas d'autres habits là-bas, d'autres petits habits là. Voilà, mélanger. Sylvestre, laisse. Viens, Sylvestre, t'asseoir. Laisse le moment faire. Voilà. Mélange aussi là-bas. Voilà. 5-5. Sylvestre, va porter ce ballon qui est en haut. Merci mes bébés. Vanessa et Bouna, merci maman. Les qui sont là, et je vais appeler vos noms. On partage les deux. Thérèse Chelsea. Coucou maman. Rufo Chamga. Coucou master. Jacques of London. Coucou mon amour de soeur. Judith Sunga. Coucou chérie. Merci chef Rodrigue. Voilà. Voilà, chef Rodrigue est venu. Il est venu voir la place où il va faire le repas le 2 avril. Mais je vais soutenir chef Rodrigue avec une somme d'argent. Enfin, qu'il prépare bien pour les enfants le 2 avril. Quand je devais cuisiner ce jour-là, cet argent, je vais donner plutôt ça à chef Rodrigue. C'est pas ça, mes bébés. Je devais cuisiner le jour-là, donc c'est chef Rodrigue serait qui va cuisiner. Je vais donner l'argent que je devais cuisiner aux enfants le 2 avril à chef Rodrigue. Et lui va ajouter ce qu'il va ajouter pour faire un truc bien. Hein, mes chéris, comme ça, ce jour, nous, on ne cuisine pas. C'est lui qui va faire les choses ici-là. C'est sa cuisine qui sera l'honneur le 2 avril. À la journée mondiale de l'autisme, avec la reine galloise. Venez nombreux ce jour, mes amours. Ceux qui veulent donner les dons ce jour, venez, parce que ce jour, il y aura aussi un grand partage. Vous savez que chaque événement de Asda. Il y a l'autre qui arrive. Il y a l'autre qui arrive. Passe, tu as pris, maman, tu passes d'abord. Les autres viennent. Merci, maman. Voilà, chérie. Voilà, bébé. Laissez, maman. Il y a l'autre sac qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Venez, allez là-bas. Oui, on vous appelle pour partir. Voilà, mes bébés. Dans chaque événement de Asda. Le 2 avril, journée mondiale autisme, le thème serait apprendre sur la pathologie des enfants. Parce qu'au Cameroun, vous prenez les enfants avec la paralysie cérébrale comme des autistes. Les enfants trisomiques comme des autistes. Les enfants. Donc vous mélangez tout. Ce jour, Dieu m'a révélé que les parents ont parlé de la pathologie de leurs enfants afin d'édifier le monde entier. Et ce jour de 2 avril à Douala, les parents qui vont vouloir donner les bienfaits, qui vous ont donné les dons ce jour-là. Venez donner les dons, maman. On va partager ça aux parents. Vous allez voir, ça serait tout là la transparence. Le 4 à Yaoundé, du côté de Yaoundé. Les bienfaiteurs de Yaoundé avec la reine galloise le 4 avril. Les bienfaiteurs de Bafoussam avec la reine galloise le 6 avril. Le 6 avril, c'est un samedi. Le 6 avril avec la reine galloise. On va édifier sur l'autisme. Sur la journée mondiale de l'autisme. On va édifier sur la pathologie des enfants.
Dans nos événements, c'est le 2 avril, le 4 avril et le 6 avril. Voilà le 2, Yaoundé le 4, Bafoussam le 6. Ce jour... Que quoi? Tu manques pourquoi? Attends, il parle à qui? Attends, elle te bloque. Elle était noyée comme pour le cheval. Elle était bloquée. Bon, ce jour, attends, va voir maman, va voir maman, va t'asseoir maman. Va t'asseoir avec maman. Voilà. Va t'asseoir maman. Va avec maman. Ce jour, on va édifier. Tout le monde a eu. Cette pathologie-là. Mes amours de frères et sœurs. Donc venez nombreux. Soutenir ses parents. Non, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, vous. Pour toi, les détracteurs, je l'ai bloqué très vite. C'est les gens qui n'arrivent pas à faire ce que la reine galloise fait. Avec les bienfaiteurs font au Cameroun. Ils sont, ça les dépasse ce que nous faisons. Donc je l'ai bloqué, maman, ne t'inquiète pas. Je bloque directement pour ne pas porter la malchance derrière lui. Vanessa, vous l'avez bloqué. Il est encore là, maman. C'est un fantôme ou quoi? Ah ouais, t'as un fantôme, maman. Pour un bloqué à René, maman. Voilà, je l'ai bloqué, voilà, c'est bon. Je l'ai bloqué, chérie. Donc ne vous dérangez même pas. On bloque tous les détracteurs de la page. On ne peut pas les laisser opérer parce que Dieu ne marche pas de le diable. Oui. Voilà. Donc, mes amours, le 2 avril à Douala, le 4 avril à Yaoundé et le 6 avril à Bafoussam, avec la reine galloise, je reviens à la fin du mois de mars. Oui, c'est la jalousie qui va le tuer. Aïe, ça va le tuer, Bouchou. Ça va le tuer, il n'arrive pas à croire. Et ils font des soirées caritatives chaque fois pour ouvrir des centres ici au Cameroun. On ne voit jamais. On ne voit jamais. Donc ça les énerve. Mal. Et ils font même ils ouvrent même les centres même. Ils disent qu'il y a un but non lucratif. On voit que c'est un but lucratif. D'autres ont commencé à me combattre dès le départ. Ils ont commencé à faire des trucs, à envoyer les blogueuses venues me salir. Tout et tout. Les blogueuses ont dit que jamais. On ne peut pas la salir, maman. C'est notre soeur. Elle fait, on voit. Allez aussi faire pour vous comme elle là. Eux, ils ont fui vite seulement. Maman, je ne fais pas la concurrence avec personne. Je ne fais que la voix de Dieu. D'arrêter de vouloir vous concurrencer à la reine galloise. Pardon. Montrez-moi une structure au pays où on fait ça. Il faut montrer. Voilà pourquoi ça vous mange. Vous envoyez vos adeptes venus parler n'importe quoi dans mes directs et tout. Je ne fais pas pour vous, je fais pour le Seigneur. C'est Dieu qui tient Asda. Et tout esprit maléfique derrière ce combat, cela va tomber. Comme je vous dis toujours, je ne blague pas. Et c'est vrai. Courage, maman. J'écris inbox. Merci, maman Elvine. Alvine Foka, merci maman chérie. Mathilde Boydio, merci. Quand vous voyez quelqu'un qui écrit un jar sur la page de la reine galloise, corrigez bien la personne, là, vous me signalez, je bloque la personne, là, c'est tout. C'est bon, non? On va donner les chaussures là, à qui? Prends la chaussure celui-là. Qui est là-bas, là? Tennis là? Non, l'autre là. Donne le petit garçon celui-là. Va donner ça à ta mère. Là ta mère va là. L'autre petit, l'autre pied rose là. Donne ça qui le pied rose là va donner à quel enfant ici? Allez fille. Va la Sarah. À Sarah. Donne à Sarah. Dans le jour que je vais parler de riz, je porte ça. Sarah est soumise. Elle est soumise. Oui. Parlez, fais-le ça. Voilà, bravo Sarah, bravo. Est-ce qu'il y a la petite Fingo là-bas? Fingo, est-ce qu'il y a la petite là-bas? Il y a la petite Fingo là-bas? Donne ça Fingo, donne ça Fingo. Fingo c'est bon? Fingo, c'est bon fille? Où est Tanya? Fingo viens non? Fingo viens, où est Tanya? Tanya à la maison? Tu me salues Tanya. Voilà, c'est ma taille condom. C'est nos enfants taille condom et Fingon ici au centre social. Et si au centre on a Fingon, ça, là on a taille condom ici. Ta mère de Godwin. 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 Très grand pour Godwin. Ta mère de Brian. Donne ça pour Brian. Merci. Oh, Fingon est trop chaud. Fingon est chaud, la magie. Et quand la mère de Fingon habille Fingon, c'est la magie. Fingon s'habille jusqu'à ce qu'elle est. Maman, viens. Maman, viens. Fingon, comment la mère? Babine Ziani.
Je les ai baptisés Fingon et Tagne parce que au départ il était avec son frère qui n'avait pas encore 16 ans ici là. Derrière son frère a eu 17 ans, il est parti de Asda. Donc son frère et lui, quand je les ai rencontrés, eux ils faisaient beaucoup la comédie. C'est là où je les ai baptisés Fingon et Tagne. Parce que son frère lui faisait toute la comédie, il faisait toute la comédie les deux. Très comique. Et nous on faisait une fois la comédie ensemble ici à Asda. Ça faisait tellement rire les gens. Bon, j'ai vu bien maintenant dire voilà Fingon ici, voilà Tagne ici. C'est où je les ai baptisés Fingon et Tagne. Donc c'est un peu ça. Très très comique les deux enfants là, deux frères, petit frère et grand frère. Les deux sont autistes. Donc ils sont très comiques, mais autistes verbal. Mais ils sont verbal, ils ne connaissent pas placer les mots, le genre bien là. Donc ils se battent quand même. Tout esprit maléfique sera foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Amen, maman Louise, amour. Amen. Voilà Fingon. Dis-le, je m'appelle. Fingon. Fingon. Je suis la star. De Asda. Fingon, danse un peu. Mama, Yakoma, Nayakoma, Nayakoma, Ayakoma, Nayakoma, Nayakoma, Ayakoma. One to one. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, Fingon. Vas-y alors, Fingon, vas-y alors. Oh, Fingon a apporté sa chaussure. Fingon a apporté sa chaussure. Voilà, merci pour le soutien, mes amours. Merci pour le soutien, pour vos partages. Merci d'avoir fait que cette semaine, 10 jours au Cameroun avec Luther, ça a été vraiment incroyable. Et ça s'est passé grâce à vous. C'est grâce à vos partages, vos likes. Vous avez rendu l'anniversaire de Luther incroyable. Vous avez rendu l'ouverture de Asda incroyable. Je ne peux pas avancer sans vous. Même vous-même qui êtes dans les prières avec la reine Ganoise, je vous remercie infiniment, mes chéris. Nous sommes arrivés à la fin de notre séjour au Cameroun. Demain, nous sommes à l'aéroport de Douala pour rentrer. Demain, nous sommes à l'aéroport de Douala. Je ferai un direct à l'aéroport demain. Merci, mes amours. Merci d'avoir rendu cette semaine, ces 10 jours incroyables, inoubliables. Que Dieu vous bénisse. Pépé Tungono, merci, maman chérie. Oui, pour les avancer, sinon ils vont être têtus. Tu vois un peu, non, c'est pas ça. Il faut souvent ça comme ça, là. Si nos enfants sont comme ça, on dit que. Tu n'avais pas vu tout le monde, attends le 2 avril. Aïe, ah, yeah. Le 2 avril. Même si. Hein? Ouais. Ils peuvent même dire 300 le jour là. Parce que même ceux qui étaient là avant, qui ne sont plus là parce qu'ils ont 17 ans, je les fais revenir ce jour là pour vivre l'événement et recevoir les dons. Donc tu peux avoir 300 enfants ici le jour là comme un jeu. Mm-hmm. Je suis en direct, je vais répondre. Donc le 2 avril, nos événements de l'année, 2 avril à Douala, 4 avril à Journée mondiale de l'autisme, 2 avril à Douala, 4 avril à Yaoundé, 6 avril à Bafoussam. Le 29 du mois de juin, anniversaire incroyable de Asda, 3 ans de Asda. Et ce jour, c'est un événement. Les bienfaiteurs viennent de le don ce jour. Les bienfaiteurs contribuent toujours à ce que cet événement soit incroyable, comme d'habitude. On remet les dons aux familles, on donne les cadeaux aux enfants. C'est grandiose, quoi. Le 29 juillet, le dernier dimanche du mois de juillet. Et l'arbre de Noël qui aura lieu le 15 à Bafoussam, le 20 à Yaoundé et le 23 à Douala. Le 16 à Bafoussam, le 20 à Yaoundé. Maman Charlotte, l'arbre de Noël, le 16 à Bafoussam, le 20 à Yaoundé et le 23 à Douala. Parce que pour Douala, c'est tout le Terminator. Ou bien mes chéris, pour Douala, c'est tout le Terminator. Donc 16 à Bafoussam, l'arbre de Noël, 20 à Yaoundé et 23 à Douala. Soyez nombreux, mes chéris. Yeah, voit plus de 300 même, c'est ça Francis Laroche. Voit plus de 300 même. Je ne vais pas parler de Douala seulement. Hein. Parce que même ceux qui étaient là avant vont revenir ce jour. Les jours de l'événement, ceux qui étaient là avant reviennent encore prendre les dons. Reviennent être aussi là dans la joie. On invite encore tous nos parents d'avant. Eux, ils viennent. Les enfants qui ont plus de 17 ans sont là le jour. C'est quoi ça là, ça? Montre-moi. Donne un bonbon. Bonbon. Donne un bonbon. Bonbon est contente. Elle est contente.
Mbombo, la mère. Ah oui, Mbombo est belle. Mbombo est belle. C'est la grand-mère d'un enfant différent ici. Là voilà. Abandonnée par sa mère, sa grand-mère la regarde depuis son enfance. Donc, sa grand-mère l'a avec nous depuis 2 ans. Elle est à l'aise. Elle a changé. Avant, quand elle venait d'arriver, elle n'était pas comme ça là. Vous connaissez, vous vous appelez Mbombo, non? Elle a changé totalement. Totalement, elle a changé. C'est ça, Asda. Oui. Le mérite te revient, membre. Le mérite revient. C'est Dieu la gloire, Blandine Kétia. C'est le Seigneur la gloire. Ce n'est pas la reine d'Allah. Le mérite revient au bienfaiteur. Le mérite revient. C'est Dieu la gloire. C'est à Dieu que nous rendons grâce. Hein, ma chérie, hein, mon bébé. Les planteurs. Les planteurs, on a apporté. Là, on va partager aussi les planteurs. Mange à l'autre, mais là-bas non. Cher Rodrigue, allez te le partager les planteurs. Cher Rodrigue a travaillé aujourd'hui pour lui est venu. Non, n'allez pas ça, ma. On met sur ça, non. Cher Rodrigue va dire que yes, je suis arrivé à Asda, vrai, vrai. Il croyait qu'il venait seulement reparler, il parle. Hein. Tu parles, tu parles quoi? Tu vas seulement retravailler, Cher Rodrigue. Abonnez-vous sur la page de Cher Rodrigue. L'événement arrive le 2 avril. Le mannequin de cuisinier. Cher Rodrigue. Tu restes à cuisiner à Douala, cuisiner aussi à Yaoundé. Hein? Cher Rodrigue va cuisiner à Douala, il va cuisiner à Yaoundé, cuisiner à Bafoussam. Oh ben non, Douala, Yaoundé, Bafoussam. On va s'arranger pour ça. Voilà, Cher Rodrigue. On va s'arranger pour ça, mon petit frère. Tu vois, mon papa? C'est toi qui va cuisiner. Le risotto à Douala, Yaoundé, Bafoussam. On va voir là, papa. On est ensemble dedans. Cher Rodrigue va faire, c'est lui qui va sponsoriser l'événement de 2 avril avec la cuisine. Dans la cuisine. Madame Tiara, c'est comment non? Salut les téléphones ici là, salut les quotas. Les quotas, va d'aller Tiara. Comment elle est belle? Tu as honte de quoi, dis donc? Tu as honte de quoi? D'aller Tiara, ma petite chérie. On se connaît depuis 2020, elle et moi. C'est une petite soeur qui m'a connue sur la toile aussi. On est devenus les soeurs comme ça là. Depuis 2020, là voilà. Depuis la l'ouverture. C'était où? C'était avant chez moi non? Matida House, voilà. Matadi House. Elle est témoin, elle va vous dire. La première fois que je commence l'initiative, là voilà, elle est là. C'était là le jour là. C'était dans ma maison que j'appelle, j'ai fait venir tous les parents. On avait au moins 50 parents le jour là. Il y avait la foule. Je n'ai pas dit que comme je suis dans l'eau, je vais la faire. Non, c'était chez moi. Et après, on a commencé à prendre l'espace Tanyamot. Le restaurant de Tayamo, non, elle nous a fait son espace. Tayamo nous a fait son espace. On faisait on édifiait chaque semaine là-bas. Alors comment on commence, avant d'ouvrir maintenant les activités sociales, avant d'ouvrir Asda. C'est ça non maman? Voilà. Voilà comment on a commencé. Parce que là mon corps là, c'est bon commencé. Ouais. Le premier jour même, c'était chez toi, avant on a commencé à boire des bières. Bah voilà maman. Le nouveau cuisinier des événements de Asda, bravo. Le nouveau cuisinier des événements de Asda, on a nommé ici Cher Rodrigo. Parce que... Et il y a beaucoup de chefs ici au Cameroun, c'est pas ça mes bébés? On n'a qu'un chef, nous a jamais honoré, non? Jamais. Parce que c'est le premier chef qui nous a... Non. Donc on va remettre à César ce qui appartient à César. Donc à partir de maintenant là, s'il n'a pas seulement les marchés, quand il y aura nos événements, c'est lui qui va être là. Amen. Amen. C'est tout. Le chef Rodrigue. Le chef est sans moi. Merci. Et pour le menu aujourd'hui à Asda, les mamans, comme les gens pleurent trop la nourriture, je vous cuisine beaucoup là. Pour le menu aujourd'hui, vous allez manger quoi aujourd'hui? Avec quoi? Avec la viande. Et ils ont mangé la banane malaxée aujourd'hui avec la serviette faite par maman Charlotte. Oh oui. Banane malaxée faite par la digne fille Balengou. Maman Charlotte. Est-ce que vous comprenez ça? Le pasteur va manger pour lui tout à l'heure avec moi. On va manger comme ça. Oh, m'en veut. Va nous servir là-bas, ma soeur mange, non? N'est-ce pas, Fisa? Viens ta soeur, ici, il y a le soleil. Merci, mon. Là, ça va suffire. Ne peux pas manger pour moi devant que si ils auront le mal de cœur. Banane malaxée de ma Charlotte. Ah bah, vous, banane malaxée. Ah bah, chambre, banane malaxée. Ah, banane malaxée, mon maman. Ah bah, miracle, banane malaxée, mon maman. Maman Charlotte, un qui en moyen mort du nous. Un qui en moyen mort du nous, banane malaxée. C'est ça qu'ils ont mangé aujourd'hui là, maman.
Quand on va poser ça sur la toile tout à l'heure, ils vont dire que ce n'est que ça qui est là-bas. Ce n'est que la nourriture on les donne. Si je leur donne la nourriture, ça vous énerve. Faites aussi pour vous aussi de structure. Vous faites la santé et l'éducation là-bas chez vous aussi. Mes bienfaiteurs, les bienfaiteurs de Hazard, Dieu envoie sont contents de ce que je leur donne. Si vous n'êtes pas content de ce qu'on donne, c'est moi la nourriture. Ouvrez une structure aussi éducative. N'ouvrez pas les structures éducatives pour payer, pour les faire payer. Hein. Ouvrez à but non lucratif, vrai, vrai. Ne dites pas à but non lucratif. On arrive chez vous, les parents se retrouvent à payer les 500 000 francs CFA. Avec les 300 000 francs CFA chez vous. Hein. On nourrit les enfants de la rue, on nourrit les enfants de la rue, il va gagner quoi. Papa parle. On nourrit les enfants de la rue, puis les 400 enfants de la rue, le verre, quoi, des sables. Voilà le chef Rodrigue. Avec un but non lucratif. Voilà. Est-ce qu'on nous demande la vie? Voilà. Mais les gens demandaient qu'il nourrit, qu'il va gagner. Quoi? Ils prennent l'argent pour nourrir les gens. Donc, ils se mettent sur le femme là. C'est pas de leur faute. Ils sont habitués à la souffrance. Ils vont sortir de la souffrance. Et il y a ceux qui ne peuvent pas. C'est comme il y a les parents des enfants différents qui habitent ici à leur baissou. Ah, ils n'ont même pas les enfants. Ils disent qu'on prend les armes des enfants ici. Que ce n'est pas normal. Donc, comment on ouvre un truc comme ça sans rien avoir? Ils n'ont pas l'habitude. Il faut le comprendre. Mais quand ils vont comprendre, les cheveux blancs vont pousser sur leurs poils. C'est ça de notre faute. Les enfants ont déjà beaucoup perdu. C'est notre faute, maman. Voilà. À cause de toi, même les mecs qui n'ont pas d'enfants différents. Ouais, ma petite a dit quoi? Bouchou, qu'est-ce que Bouchou a dit? Il n'a pas lu. À cause de toi, même les mecs qui n'ont pas les enfants malades vont supplier Dieu pour les avoir. Ouais. Ma petite va mourir. Ouais, Bouchou. Bouchou, c'est une bénédiction, mon bébé, d'avoir un enfant différent. J'aimerais que si un jour Dieu me fait encore accoucher, j'aimerais que Dieu me donne un enfant avec la paralysie cérébrale. Comme ça, je prends le temps, je prends toute ma vie à m'occuper de cet enfant-là. Parce que l'autisme que Dieu m'a donné, c'est petit. Hein? Je veux que Dieu me donne un enfant qui est paralysé. Un enfant comme quel enfant? D'abord, il y a l'enfant-là. Comment il dit que Dieu me donne? Il m'a donné, non? Il est où? Ouais, pareil. Il est dedans, hein? Ils sont dedans là-bas. Vous devez voir Farel. Darel. Dieu m'a donné. Parce que je les regarde. Les mamans, venez par ici là. 10 personnes. 10 personnes. Vous avez bien calculé le temps, mes bébés. C'est croix, non? Si vous allez suivre les autres, vous allez donner pour les autres. Hein? Mes bébés, si vous allez suivre, vous donnez pour les autres. Hein? Pardon, on laisse ça va suffire. Ça, c'est le don de Tongoulanto. Maman Tongoula a fait fort. Pour son anniversaire. Hein? Mais ça, mon bébé. J'étais en direct, non? Sors les ignames, non? Sors les ignames. Oui. Non, le macabre, on va commencer sur le macabre pour le macabre râpé. Pour le râpé. Elle m'a apporté le macabre, les ignames. Attends, il vient, ils vont venir porter, attends. Et il y a aussi les ignames, hein. Il y a aussi les ignames, les bienfaits. Quand ton goulard a apporté aujourd'hui, il y a aussi les ignames. On va classer aussi les ignames. Baba la transparence, bravo. Oui, maman Caro. Et si c'est la transparence, Caro Chaps. C'est la transparence totale. C'est pas de ma faute si Dieu a fait que la reine mère Fleur de Lys me voit et qu'elle me propose être une. Que la reine Fleur de Lys me propulse sur les réseaux sociaux. Afin que je vienne avec la mission de Dieu. C'est pas de ma faute. Hein mes bébés? C'est pas de ma faute. Oh. Donc vous allez seulement souffrir de voir tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui a voulu que ça soit par là. Maintenant, bas les ignames aussi. Mettez un igname. Adao! 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 Merci. Maman. Notre pasteur de Hazda. Le pasteur de Hazda a dit. Il n'est pas seulement pasteur, il est pasteur, il a une église où il prêche déjà.
Parce que c'est encore où est-ce que l'église, ça, papa? Terminus mon amour, ça dit. Terminus mon amour, ça dit. Comment ça s'appelle la paroisse? C'était Bethel. C'était Bethel. La maison de Dieu, c'est lui qui est là. La cité de Dieu. Oui. C'est pasteur Christian qui est là-bas. Pour ceux qui connaissent le pasteur, c'est un grand pasteur, maman. Il n'est pas dans le bocata. Non, l'haricot là. Il faut donner, il faut je prends la sève pour de l'haricot. Là, le plastique. Là, le plastique. Vous avez le truc pour le plastique, les plastiques. Prenez le couteau, les ignames qui sont perdus. Non, on va vous partager ça en semer au don. Non, parce qu'il n'y a pas le plastique, non. Pendant les dons, non. C'est que le plastique, on prend, nous. Mambe, tu vas couper d'autres ignames, hein. Ouais, c'est beaucoup. Vous allez couper ça. Là, tout le monde peut savoir. Ensemble, l'union fait la force, mes bébés. Voilà, voilà. Ça, c'est le ligname que le maman tonton t'a apporté pour son anniversaire. On est à partager le planter, là, c'est l'igname. Il y a le macabo là-bas. Non, le macabo va compléter ce qui reste pour faire le quoi au cours de la semaine. L'haricot, d'autres qui n'ont pas le placé, s'ils vont avoir ça la semaine aussi. Il y a même souhaité qu'ils ne soient pas arrivés aujourd'hui. C'est pas tous les parents qui sont arrivés aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés. Ah, Majalotte, beaucoup ne sont même pas arrivés aujourd'hui là. Mais il faut garder pour eux aussi, pour la semaine. Myriam Yologoza, bonsoir maman. Jacques of London, la poupée de qui est la sœur de la reine galloise. Ivan Akange, Ivan. Coucou chérie, coucou, comment tu vas bébé? Louise Memanfo, bonsoir maman chérie. Bonsoir ma co. Wilfred Jomessi, bonsoir ma star. Caro Chaps, bonsoir. Pepe Tungono, bonsoir bébé chérie. Bonsoir maman. Bonsoir. Saïna Sarafine, bonsoir bébé. Maman tant que j'aimène. Coucou maman, vous tant que j'aimène. Coucou Chabonzui. Vanessa Evuna, bonsoir ma star d'amour. Qui est le soleil bébé? Qui est le soleil? Félicité NGK, bonsoir bébé, bonsoir félicité. Doris Timi, bonsoir maman. Pawa Mafo, bonsoir ma star chérie, bonsoir ma star. Bonsoir, bonsoir mes amours. Oui. Francis Laroche, bonsoir, bonjour. Blandine Ketia, bonjour maman. Aurélie Toko, bonjour maman chérie. Écrivez, j'appelle bon nom mes bébés. Vous le méritez aussi beaucoup. Comme vous en avez en direct. Christelle Cogneux, bonsoir maman Christelle. Bonjour maman Christelle. Cécilia, bonjour maman Cécilia Suzanne. Bonjour Doris Cure, bonjour maman. Francis Laroche, bonjour bébé. Richelle, bonjour maman. Najel Chaya, bonjour Najel Chaya, elle est à côté de moi ici là. Eke Elisabeth, bonjour maman. Merci maman Elisabeth, merci. Merci maman. Ode Ngale, bonjour maman chérie. Bonjour Jacques of London, il y a là. Chirel, bonjour. Christelle Cohen, bonjour. Dorine Wona, bonjour. Coco Chanel, bonjour maman chérie. Bonjour maman Dorine, bonjour maman. Solange Nana, bonjour maman chérie. Félicité Makoudjou, bonjour maman chérie, bonjour maman. Carole Yarson, bonjour maman d'amour. Brenda Imel, bonjour. Il n'y a pas des hommes aussi, il n'y a pas d'hommes. Maman Germaine Tank, bonjour Chabonzu. La Rose Noire, bonjour. Germaine Chami, bonjour maman. Yvonne Kako, bonjour maman chérie. Natacha Gamda, bonjour maman d'amour. Belle graine, bonjour ma star chérie. Mariam, bonjour. Oh Vanessa et Bruno, ceux qui signalent, c'est quoi vos problèmes? Ils signalent maman. Ils signalent toujours. C'est Dieu même qui arrête le direct sur Dieu. Parce que Christian est là, son pouvoir est en train d'arrêter. Le pouvoir de Dieu fait qu'on ne sait pas grave. Ils sont en train de signaler toujours. Maman Véronique Ouattara, bonjour maman Véronique Ouattara. Bonjour Chabonzui. Manuela Yapi, bonjour maman. Bonjour maman Véronique. Zara la guerrière, bonjour ma star d'amour. Bonjour maman Doris. Bonjour maman Zoup Zoup. Zoup Zoup, bonjour. Manuela Yapi, bonjour maman chérie, bonjour. Socrate Sigue, bonjour. Amandine Croix, nous sommes tellement habitués à souffrir seul que le jour où quelqu'un veut nous aider gratuitement, on a peur. C'est ça Amandine. Mais avec le temps, vous allez comprendre qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là pour aider aussi. Il y a les enfants de Dieu qui sont là pour aider. Vous allez remarquer qu'au Nigeria, on aide tellement le bas peuple au Nigeria.
et ces peuples sont en train d'évoluer. Hein, mon père, on aide tellement au Nigeria. Les blogueurs nigériens aident tellement. Les blogueurs déjà aident. Vraiment les blogueuses camerounaises. Les blogueuses camerounaises font tous les collectes. Les blogueurs camerounais aident tous les orphelinats. Les blogueuses camerounaises font ça. C'est pour vous aider, maman. C'est pour vous aider. Le blog camerounais aujourd'hui aide aussi, hein, mon père chéri. C'est un peu ça, mes bébés. On va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de courage. Merci, Christelle Panité. Merci, chérie. Maman, j'ai faim jusqu'à. Du courage, la reine. Merci, Maëlle Gorin. Merci, Michel Moussongo. Merci, Moussango. Merci, maman chérie. Maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Hein? Mettez-moi avant, c'est le moment. Mettez-moi avant les filles, ouais. Voilà les dongos de la porte aujourd'hui, bah, tongo là. Parce qu'on partage. On fait la transport, mes chéris. Ouais. Non. Passez bon, ma, passez bon, passez bon. Marco, de go, moteur de go. Voilà. Moteur de go seulement. Gagnon, il n'y a pas de corona, on va remettre parce que c'est baissé un peu. Jamais, tu as de pour les ancêtres. Non, ma. Alors, premier, par exemple, je vais vous dire ça. Pour l'autre, je sais. Alors, je vais vous faire passer. Il y a ceux qui sont pas venus aujourd'hui là. Dans la semaine, on va donner pour eux aussi. Ceux qui sont pas venus aujourd'hui, on va les donner la semaine. Non, voilà, il faut faire l'économie. C'est comme ça. Ceux qui ne voient pas ce que as d'affaires, là, voilà ce que as d'affaires. Ceux qui ne voient pas ce que as d'affaires, c'est pas la nourriture, voilà ce que as d'affaires. Rassembler, il y a ses parents, c'est là qui se, que ses parents se consolent mutuellement, c'est un grand pas. Voilà, on a passé ici au Cameroun. Déjà les rassembler qui se connaissent et se consolent mutuellement et recevoir les dons. Même si on ouvrait cette structure uniquement pour demain manger, c'est pas petit. Pourquoi elle n'a pas pris un plastique solide? Elle est tout comme ça. C'est une habitude. On la connaît déjà. Elle est comme ça. Donc on va faire comment? Ça n'a pas pris un solide parce qu'elle a donné pour les ancêtres. Asda, oye. Oui, j'arrive à London. Bienfaiteur et bienfaitrice de Asda, merci infiniment mes chéris, c'est vous. C'est Dieu qui vous, Dieu vous touche le cœur chaque fois pour faire la force de Asda. Merci infiniment les bienfaiteurs et bienfaitrices de Asda, merci à tous les acteurs de Asda et les actrices de Asda. Merci infiniment. Asda, ce n'est pas la reine galloise. Asda, c'est les bienfaiteurs et bienfaitrices. Non, non, on n'a pas dit les planteurs. Les planteurs, on va garder ça pour ceux qui n'ont pas eu. Hein, mon père, il y a beaucoup qui sont pas là aujourd'hui là. Envoie les cœurs, non bébé, on signe, envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Oh. Entre dans cela, entre là derrière. Je suis ici là parce que le réseau, non. Si elle me déplace, le réseau va partir. Il n'y a pas les réseaux, s'il vous plaît. Les enfants et les mamans sont en haut. Oui, maman, Vanessa et Bouna. Une structure qui nourrit les enfants et mamans. Il faut tirer chapeau. Il y a Dieu dedans. Qui nourrit enfants et mamans, enfants et parents. Il y a Dieu dedans. C'est même pas le pouvoir de la reine galloise. C'est Dieu la force. Oui, j'arrive à London. Et j'œuvre via les réseaux sociaux par la volonté de Dieu. J'œuvre via les réseaux sociaux. Dieu a voulu que ça soit mondial. Parce que Dieu a vu le cœur de la reine galloise. Que depuis mon jeune âge, je partage toujours. Je suis né pour ça. Et Dieu a voulu que ça soit mondial en envoyant sa fille, qui était star, qui est la star des réseaux sociaux. Que cette grande dame me fait connaître. Me fait connaître dans le monde entier. Enfin, je fais son travail. Parce qu'avant, quand tu m'as fait connaître sur les réseaux sociaux et que je fais le mbrakata, j'étais tout bas. Dieu me tapait toujours. Hein. Dieu me tapait toujours. Hein. C'est quand je prends le combat de Dieu maintenant que tout devient maintenant normal. Tu as compris, non? Voilà.
Asda, oye, oye. Oh, reine des bio. Envoie les cœurs pour dire la reine des bio, oye. Oye. Salut la reine des bio, oye. Oye. La reine des bio qui est en ce moment à Johannesburg. Oye. Oye. La reine des bio fait le tour du monde. Oye. Oye. La maman des enfants, la reine des bio. La reine des bio de la team des bio. La maman de Meet and Love. Si vous n'avez pas le mari, oh mais vous menacez votre mari à la maison. Terriblement mari. La reine des bio est là pour arranger vos mariages. Oye. Oh chabonzio. Oh maman Sondio. Oh Sondio, vous êtes en cabo. Oh Sondio. Oh maman. Bonjour Son. Bonjour maman Sondio. Ça va suffire, bébé. Non, donnez-le le plat. C'est que ça va suffire de donner encore plus de plat. Okay. C'est bon, ça m'en veut. Une boîte seulement. Non, mais attends, c'est comme ça, non. Il y a pour les autres, ça va suffire. Tu t'en tout, regarde pourquoi. Va les autres là-bas, qu'est-ce que ça va pas suffire. Prenons là tout le monde. Maman, les gens qui ont eu l'haricot, là, venez un peu difficile, on donne pour les autres. Venez un peu mettre là-bas, les papas qui ont eu l'haricot, là. La mère, si, lève-toi. Oh, la mère, tu me connais bien, lève-toi, va donner pour toi l'haricot là-bas. Va dire mieux. Ouais, un bagage fou là-bas. Toi, va donner l'haricot, on t'a servi là. Oui, tu as eu l'haricot. Oui, va donner encore là-bas, on va donner pour l'autre, il n'a pas eu. Ah, il y a la reine là. Ah, les mamans de Sarahi. On enlève, on sert encore les autres. Lèvez-vous, non, la maman. Ouais. Vous avez appris à essuyer la bouche. Il y a d'autres qui n'ont pas eu, non. Non, pourtant, c'est normal. Laisse pour toi. Toi, va donner pour toi. Oui, voilà. Toi, tu n'as pas beaucoup eu, ça va. Ceux qui ont la première personne. Pardon, les mamans, les premières personnes. Les filles, on dit qu'elles sont mes filles. Que les premières personnes qui ont eu beaucoup célèbres pour aller diminuer aussi, qu'on donne aussi pour les autres qui n'ont pas eu. Là, personne ne célèbre. Personne ne célèbre. Mes copines, où sont ceux qui n'ont pas eu là? Ceux qui n'ont pas eu sont où? Ceux qui n'ont pas eu. Ah bon, hein? C'est bon alors. Esprit de partage. Oh, son crashing. Tu as vu, non? Personne, hein? Les ceux qui ont eu les premiers sont là-bas. Personne ne se lève. Tiens, nous, maman ne se lève pas. Nous. Maman, c'est pas de leur faute. Ouais, Doris, tu ris, hein, d'eau. Ouais, Doris, ris, c'est les mamans. Maman, quand tu ris, c'est les mamans, bébé. Bravo, les mamans. Qu'est-ce qu'on fait pour les mamans? Il y a combien de parents aujourd'hui? Il faut compter les parents là. Les parents! Puisque c'est moi la reine galloise, parce que c'est pas votre jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour que je vous salue et donner les dons, les fonds de commerce, non? Je vous ai appelé aujourd'hui, vous avez fait sortir de vos maisons aujourd'hui, parce que normalement c'est de lundi à jeudi. Je vous ai fait sortir aujourd'hui, mes bébés. Donc je vais vous donner le transport aujourd'hui. Vous aurez le transport, Mimi prend le transport, n'est-ce pas? Ok. C'est moi qui l'ai fait venir, parce que normalement je l'ai fait le transport de lundi à jeudi. Pour les gars, ils viennent faire des activités. Donc le jour que je l'ai fait venir, que ce n'est pas le jour d'action, je dois toujours les payer le transport. Même quand les bienfaiteurs les appellent, les associations les appellent, viennent le samedi. On les appelle de la maison, on leur paye toujours le transport. Les parents, si on ne les fait pas venir sans les payer le transport. Comme j'ai dit, c'est des parents qui sont démunis. Tu vas les faire venir comme ça pour leur faire des activités éducatives. Sans les payer le transport, ils vont prendre la route pour payer le transport avec mon père. Hein, mon bébé? Donc pour les encourager, on leur paye d'abord le transport. Maman, Bako? Tu vas mettre la nourriture. Maman, le buffet dedans. Maman, le buffet dedans. Fais le buffet dedans, pardon. Maman. Ici, là, tu vas où? Fais le buffet dedans. Dedans, oui. Les
Pas ici là, hein? Pas ici. On va manger avec le chef Rodrigue, hein? Tout le monde là, avec le chef, avec le pasteur. On va la banane malaxée. Aujourd'hui, on va prendre la banane malaxée pour recevoir les parents. Ils ont bien mangé avec les enfants. Ils ont déjà mangé, au fait. On ne peut pas les faire attendre pour longtemps. C'est la maternelle, ma. Qu'est-ce qu'on dit pour les parents? Elle dit quoi? C'est la maternelle, ma. Oui, c'est la maternelle parce qu'on a les enfants, non? On parle, c'est pour nos enfants, non? On fait ça, non? Les enfants aiment bien. Qu'est-ce qu'on dit pour les parents? 10 sur 10. Oui, c'est la maternelle. Vous ne voyez pas les petits-enfants ici? Voilà les enfants, nos enfants handicapés, ouais, ils sont là. Quand on dit 10 sur 10, tu es tout là, ça les plaît. Quand on chante comme ça, ça les plaît. Si tu as des nerfs, tu sautes du calanglais. Beaucoup de courage, la reine galloise. Mamie Tonta Prada, beaucoup de courage à nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Nous, on travaille pour Dieu. La reine galloise a besoin de courage, maman. Parce que si elle a forgé de ce courage-là et de cette volonté-là, beaucoup de courage à nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Qui ne baissent pas les bras, de continuer toujours à aider, à soutenir. Ta coiffure le tout si m'en veut. Arrêtez de regarder ma coiffure, pardon. Laissez ma coiffure comme ça là. Laissez ma coiffure où ma coiffure est là. Comme ma vie passe, on sent même ma tête pas aussi. Ma coiffure représente ce qui je suis. Arrêtez de regarder ma coiffure. Les gens parlent trop de ma coiffure. Laissez ma coiffure comme ça là. Voyez seulement ce que je fais. Pardon mes bébés, voyez seulement ce que je fais. Laissez ma coiffure. Laissez ma tête comme ma tête est là, comme ça. Voyez seulement ce que je fais comme œuvre de Dieu, pardon. Beaucoup de courage. Merci maman. Ta coiffure. Maëlle Goyouine, voyez seulement ce que je fais, l'œuvre de Dieu que je fais. Laissez ma coiffure. Bignon coiffure, Sandio. La coiffure n'est rien. Salut-moi, maman Charlotte. Maman Charlotte est dedans en train de faire. Maman Charlotte, salut. Elle est en train de faire les choses. Je vais sortir la nourriture là. Merci, merci Roméo de Bruxelles. Merci. Vous dites que la coiffure de la reine galloise. Oh, c'est signe. Oh, c'est fesses. C'est comme ça là. Je ne sais pas moi. Ceux qui sont jolis, on a vu les femmes belles, belles ici sur les réseaux, c'est ceux qui sont mortes bizarrement. La vie n'appartient à personne, mon ami. Faisons ce qu'on a fait sur cette épée, on fiche au camp. La vie n'appartient à personne. On a vu les femmes riches, propres, brunes, joliment jolies. Et on a écrit reste impice sur leurs photos. Reste impice. Vous ne comprenez pas que la vie, c'est là, il faut laisser les choses de la terre, c'est là. On se focalise sur l'essentiel. C'est qu'est-ce que la mèche il y a sur la tête? La tête, elle a été coiffée. C'est tout. C'est pas ça, mon père. C'est ça. Et ça qui est important, c'est que le petit cheval a reçu la mèche. C'est tout. Voilà. Non, on ne regarde plus ce vieux, comment ça pend. Planter Ignam Macabo haricot plus 100 000 francs, ça fait un bon menu pour le week-end. Merci Jésus. Merci Jésus. 1000 francs, c'est pour le transport, comme on donne toujours. 1000 francs, c'est pour le transport. C'est pas pour préparer avec à la maison. C'est pour le transport. Vous devez soutenir dans le transport. Monsieur Nia, il y a les parents. Et vous comptez, non, mon père? Comptez, ils vont les libérer, ils partent. Ils ont rien à manger. Non, restez sur cette place, mon père. Quand on voit combien de parents il y a, non? Et puis ils rentrent sur les autres enfants à la maison. Mais maman, vous avez à manger, non? Oui, maman. Vous n'êtes pas les parties, non, mes bébés? Mettez-vous en rang là-bas, pardon. Vous allez partir, vous occuper de tous ces enfants à la maison. Nia, tu as remis là sur toi. Tu as dit, mais prends 30 000, c'est là, on fait 40 000. Tu mets sur ça. S'il y a plus, tu me dis. S'il y a moins, tu gardes le reste. Tu en payes. Voilà 30 000 ici là. Monte là. Voilà 40 000 francs CFA. Pour le transport, c'est ça, non? 40 000 pour le transport. Donc, s'il y a plus de parents, tu me dis. S'il y a moins, hein, tu me donnes le reste. Mais là, la barrière commence à partir, pardon. Après, on enregistre les dons qui sont entrés là. Le pasteur, on va dedans. Mariam! Ouais, Sylvain, il va porter les chaises là pour dedans. Rodrigue! Ça va dire où? Ça va être où, non? Alors, entrons. Gang, on entre, pardon. Je suis fatigué. Bon, il y a des choses à faire.
Voilà le don que maman a apporté. On m'a réussi ça tout à l'heure. Portez les enfants. Portez les enfants. Maman, bien fermé. Oh, bien fermé ici, maman, la mère de... N'est-ce pas, maman? Merci beaucoup, maman. Depuis, attends, je vais te dire ça. Mettez la nappe, vous s'asseoir là. Papa, les choses aussi, il veut entrer. Là, les mouches de ça, maman. Papa, attendons d'abord un peu, pardon, ils finissent. Finissez, finissez, on vient, pardon, chassez d'abord les mouches là. Au revoir, là, mais bon. Bon, au revoir, bon. Merci, hein. On se voit en avril, Inch'Allah. On se voit à la fin de mois. Papa, on nettoie d'abord, pardon. Pourquoi ne même pas rester dehors? Nous, on va rester dehors. Mon paquet, maman. Eh, voilà mes parents. Voilà les parents, les enfants, ils m'ont donné le paquet. Regardez. Regardez vous-même. On applaudit pour elle, maman. Voilà, donne à maman Charlotte. Je vais te donner le gâteau de Luther. C'est ça, maman. Merci beaucoup, mon veut. Donne à... Merci, mes chéris. Merci, mes bébés. Ah, lève-toi, bon, bébé. Ah, bah, j'ai rien, bébé. Ok, bye. La fille, bye bye, hein. Merci, merci. Bye bye. On se voit en avril, non? On se voit en avril, Inch'Allah. Priez, priez beaucoup. Priez beaucoup, mes amours, priez beaucoup. Ah, bien la table ici, là. Mariam, bien la table ici. Mariam, ah, bien la table ici. Non, on n'en sait pas, là, on va rester dehors. Bye, chérie, en avril, non? A bientôt les filles, chez Audric. Nos gangs blancs, c'est une chose de bandit. Oh. Tu vas parler ça en direct, non? Oui, je vais parler en direct. Ok. Mais il y a aussi le fait qu'on a un bon parent. Ah oui! Un parent que vous choisissez qui peut parler. Oui. Je suis la maman là. Maman, attends d'abord, Eva, tu vas parler. Eva, tu vas parler avec eux. En vidéo? Non, pas en vidéo. Pas maintenant, maman. On ne fait pas en vidéo comme ça là. En vidéo, c'est uniquement quand on vient faire les dons. Tu vas faire une vidéo, abonne nous que vous. Pour faire quoi? Pour mettre sur le truc. Oui, pour mettre sur le truc. Maman, tu vas te faire. Juste en fait, je te fais pour faire le truc. Que, oui. Un parent qui parle un peu de comment est-ce que ça se passe avec. Voilà. Ce n'est que ça. Chabunzui, tu vas, elle va parler. Tu vas parler la vidéo là-bas. C'est Chabunzui qui va venir préparer pour vous le 2 avril. C'est pour mettre son visuel. Qui va passer sur les réseaux sociaux. Pour qu'on comprenne un peu son initiative. Oui, non? Ah, tu veux là? Mets-toi pas ici là. Je sais pas où. Elle peut s'asseoir où? C'est pas là-bas, non? Il y a pas le soleil. Hein. Mais là-bas, donne-moi là, moi. Bonjour. Oh, mes amis, envoie les cœurs pour le Seigneur. Envoie les cœurs pour Dieu. Envoie les cœurs pour Dieu. Oh. L'argent, on a donné à Luther pour payer le sud. Voilà, c'est ça qu'il a donné pour le transport des parents. Maman, si maman tombe ta compagne, elle va se fâcher de moi jusqu'à. Ah, il y a un petit monde du monde. Elle a acheté un petit pour l'hiver. Elle va se donner 40 000 pour le transport. Pourtant, elle a donné là. Maman, ton t'a donné. Maman, pardon, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, Chabonzi. Pardonne-moi, maman. C'est un don pour mes enfants. Je donne aussi. Je mets tout ça. Je vais faire comment? Je reçois pour moi riche. C'est ce que je reçois que je donne aussi. Que ce soit pour moi, que ce soit pour les enfants. C'est avec ce que je travaille à Asda. Je vous ai dit ça, mes chers frères et sœurs. Les gens se moquent de ma coiffure. Vous voulez que je mette poids sur la tête. Hein? Tu vois, si elle prend la main pour aller faire la bonne coiffure et que je n'ai pas la main pour nourrir les enfants de Asda, on va dire que quoi? Dieu ne peut pas me punir. Vous voulez m'induire en erreur. Dieu veut que je sois comme ça. Donc regardez-moi, je vous suffis. Avant que je mettais les Brésiliens, c'était pour moi de gars que j'avais trouvé. Quand je mettais les Péruviennes sur la tête, c'était pour moi de qui que j'avais eu. Maintenant, il y a où? À part les gigolos, ils venaient tout me pom 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 pom. Les autres, on va me donner l'argent. On va aussi me prendre et me considérer. Quand je vais mourir, prochaine vie où je vais naître, j'aurai pour moi aussi de vrais hommes là-bas. Marie-là, on va aussi me prendre en considération. Vous voulez que je vous dise que quoi? Hein, bon, vous voulez que je vous dise, vous ne voyez pas que ma vie sur la terre, là, ma vie ici là, maintenant là, c'est seulement la vie du combat.
Maman, tu es comme un chabon. Mais quand je suis à mon nom que maman, vous moquez de moi, pourquoi maman? Mais quand je suis à mon nom que dit. Ah maman, quand je mettais l'onja ensemble, je crois que la mettant l'onja, ça va voir pour moi de bon gars. Arbaï. C'est tout ce qui venait tout me pom pom. Maman, m'écartez ça. N'tap que tu n'en dis pas. N'tap que tu as un tombe. Oui, oui. Tu as un tombe, mon étoile. Moi, ouvre la banane, ma la sèche, je la montre. Non, laissez-moi comme ça, dis donc. Laissez-moi faire pour moi de vie sur la terre. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Nacha. Achoupe-moi encore. Parce que les parents ont mangé aujourd'hui là. Ah, c'est la même chose, je vais aller chauffer, moi. Je chauffe ma chérie. Apporte le fou, moula, apporte. Merci Emmanuel Thaler. Merci mon beau. Merci mes stars chérie. Maman Véronée Otara, merci. Maman, tu as un cœur riche. Un cœur en or, riche d'amour. Et c'est le plus important. C'est le plus belle des richesses. La plus belle des richesses. Maman, j'ai trouvé de Baka. Merci Chabonzeu. Merci maman. Et c'est mort de moi chaque fois. C'est la tête de quoi comme ça? Maman, ta terre, maman, la femme, c'est l'aide jusqu'à. Je suis l'aide, moi, mais je sais. Mais je suis belle dans le cœur. Mais ce qui est bizarre, c'est que si elle veut me changer, maintenant, être en hindou, vous allez fuir. Si elle veut me mettre un peu comme les grandes dames là, bébé, c'est la reine galloise là-bas, c'est une autre personne. Maman, ma beauté, c'est depuis le. C'est depuis les. Je suis une beauté légendaire. Je suis une beauté légendaire. Donc, laissez-moi faire ma vie sur la terre comme ça. Parce qu'il va me mettre, les filles. Je n'ai plus le temps pour ça, maman. Vous parlez à qui? À la grâce de Bouchou. La grâce de Jacques of London. Voilà, Jacques London va vous dire Jacques of London. Dis-le, Jacques of London, tout bout. Il n'y a pas quelqu'un qui est joli comme moi sur la terre ici. Maman. Même pas là où il est beau, c'est. Vois moi les serviettes qui sont plats, plats là. Tu peux manger les serviettes, non? Mec là où elle est bosse. On va parler dans les grilles d'âme normalement. Oui. Oui, maman. Fais ta bouteille, c'est bon. Mathieu. Mathieu. Il y a chef Godu aussi avec ses gens. Avec son staff. Son staff. Il y a un nom, maman. Il faut y mettre la balle à marcer de maman Chara pour améliorer encore sa balle à marcer à lui-même aussi. Pour voir les secrets de mère. Maman, c'est la fois que vous avez crié comme ça au carrefour. Hein. Le matin là. Garde les chaises. Faut dire là, maman. On lui dit, maman. Toutes les chaises en plastique dans bébé. Ah, si, c'est ici. Ah, c'est ici là. Bon. Bon, il te dit combien? Combien ça? Il te dit 40. Hein. Donne-moi chaise, les gars. Donne-moi la couteau avec la Chef Godu, quel cuisinier? Servez le pasteur, pardon. Servez mon pasteur. Après, servez Chef Godu. Le bon pasteur. Mm-hmm. Pas le bonbon pasteur. Non, hey, c'est un pasteur. Il n'y a pas son Dieu. Voilà. Il n'y a pas son Dieu. C'est un pasteur qui a l'onction de Dieu. Dieu m'a révélé le pasteur. C'est-à-dire que prends le pasteur là pour prier. C'est ce que les enfants ont mangé aujourd'hui avec les parents. Madame Malassé. Et si chez moi, avant d'édifier les parents, on nourrit les enfants bien. Ouais. Pour la banane, on a ton choix. Ouais, ouais, Romial. C'est même mon Romial, pardon. Aïe. Je peux être la reine galloise. Eh? La maman des enfants différents. Mm-hmm. Son grand chauffeur. Maman Henriette Chamini. Merci ma soeur, mais il n'est pas obligé de mettre les restes au milieu de la tête. Tu es très. Merci maman. Je vais faire la publicité. Anda bani ni baba maman non quand elle va venir là. Oh Kingambe. C'est super, c'est tout, j'en ai super, mon nom. Bon, chef, vous dites. Maman, donne pas un outil derrière le dos de maman.
C'est le jour où dit. Il y a encore la lusine dedans, la banane dedans. Ne dose pas beaucoup, après c'est fini. Ne dose pas trop. Il y a banane, ok, c'est bon, il y a banane, c'est bon. Ah ça, pas les histoires qui mangent que les bassos qui mangent ce machin là. Ah c'est alors la bonne nourriture. Jamais pas de temps. Mais là c'est bon, allez où? Mais là c'est bon, j'aime bien la viande. J'aime la viande aussi parce que... Ouais, elle a mieux. Merci beaucoup. J'aime la viande là. Ah là, merci. Moi aussi ici là. Voilà. Eh, hey, la mouche avait comme ça, les gars, ils sont jaloux de moi. Merci beaucoup. Merci bébé, si. Donne-moi de la. Eh, hey, la mouche, les. Je suis que c'est Fanoua Tarzan qui envoie ça sur moi. C'est bon. Oui, maman. Ça va, je vais partir à la maison après. Merci, Mbe. Moi, c'est pas le tissu. Allez, vas-y, sur moi. C'est Fanoua Tarzan qui fait ça. Il est fâché, maman s'en regarde, mange, ne mange pas. Je connais pas de moi, ta zone. Elle n'a pas remède, elle mange pas comment. Ah bon, non. Ah bon, maman, je suis en bas, madame Marcé. Maman, je suis à l'autre. Maman, Chacha. Ouais. Ouais. Eh, Seigneur. Bon appétit à vous. Merci, merci. Ah, Chacha. Bonjour, Dieu. Bonjour, Dieu. Que Dieu ajoute encore 10 ans sur ta vie sur terre. Salut tes abonnés sur la page. Sur ta page. Salut, ici c'est Chef Auric, le mannequin des cuisiniers. Le nouveau cuisinier attitré de ASDA. ASDA, voilà. Donc, on sera là nombreux le 2 avril. On va cuisiner pour ses enfants. Le 2 à Douala, le 4 à Yaoundé, le 6 à Bafoussam. Voilà, donc 2 à Douala. 4 à Yaoundé et 6 à Bafoussam. Le Seigneur a béni. Donc, je suis que l'éveil du Seigneur. J'implémente voilà. Ce qu'il a dit. C'est tout. Je ne suis pas là pour dire que non. Avec le chef Rodrick. Salut. Vous aurez le face bientôt. Tu vas sortir au frère. Bien sûr. Allez, sur ma page. Il y a des visuels déjà qu'on a partagé. Voilà. Allez, sur ma page, chef Rodrick, le mannequin des cuisiniers. Je vais te sortir pour moi, pardon. Je peux te poser ma page. Voilà. Il va se poser ma page. Avec le pasteur Christian. Ah ben oui. Ah. Salomon Tchatchep. Oh mon. Maman Salomon. Va marcher, ouais. La masse est connectée. Salomon Tchatchep est connectée. Maman, ça c'est ta banane, je mange comme ça. Je te donne ça, maman chérie. Maman, Salomon. Maman, j'ai l'air qui a moi, il m'a dit, madame, et toi, madame, la Céline Dieu. Ah, madame, moi, j'ai l'air nous, à toi, en ce moment. Non, moi, écoute, pardon. Il va belle, ah, belle, caro, bossu. Non, je ne rentre plus moi. On ne rentre plus moi, mais maman, il ne rentre plus, reste maintenant moi ici. Non, moi, on ne m'a pas laissé le couteau là. Les autres couteaux sont restables. C'est restable pour ça, maman. Mais toi, je sais, maman, je vais couvrir ma bouche. Ma reine, Avane Akanikwa. Ma reine, je viens de faire le don à Asda au mois de juin. Je veux manger la même balle. Eh ben, ne t'inquiète pas, maman. Quand tu vas venir, on va te dire, papa. L'anniversaire de Asda, le mois de juin, c'est le 29, le dernier dimanche du mois de juin. Et c'est le chef Ryan qui va organiser dans la cuisine, qui sera là pour la cuisine aussi. Chef Rodrigue. Chef Rodrigue. Oh, le chef Ryan, c'est mon frère togolais. Oui, je le connais. Il a fait le don de plus de 500 000 francs par Asda. Il est togolais. Je crois que le bébé noir, le chef Ryan. Même ses vidéos, c'est vrai, je suis. Il est très gentil. C'est ma personne là-bas jusqu'à là. Après, il dit chef Ryan, donc son nom est bien à ma tête. Il est très gentil, mon frère togolais là. J'ai pas envie de commencer au chef Ryan. Chef Ryan, c'est ton collègue ici.
Ouais, moi c'est Chef Rodrigue. Chef Rodrigue. Beaucoup me confondent à toi, elle n'est pas la seule. Hein. N'est-ce pas? Beaucoup, voilà. beaucoup m'appellent tout Chef Royal. Voilà. Non, c'est tout la même chose, non? C'est entre vous, vous. Mm. On peut faire ça, la salive. On peut faire ça, la salive. Dame, c'est dans ma bouche maintenant. Voici la rouge. Désolé, papa, désolé. Oh. Non, c'est bon, jusqu'à. Mais j'ai fait le régime. Même que j'ai un régime, même que j'ai bien 10 kilos. Bon appétit à tous. Merci, maman. Et dis ça, ça, tout le gros ventre. Parce que j'ai un petit bambou, dis ça. Bon, j'ai pas mangé mon père. Il faut penser pour ma panda aussi. Hein. Voilà. Ma panda est restée avec Luther là-bas à la maison. Luther dort. Il veut même pas que Luther, je rentre au Luther aujourd'hui parce que le soir, on va aller chez son grand-père là-bas à Neubel. Après, on va faire les courses, non? Et demain, on va voyager. Demain, soir, on va à l'aéroport de Douala pour Bruxelles. Bruxelles, Angleterre. Tu peux avec lui? Oui, c'est mon fils, donc on est venus ensemble, non? C'est possible que le temps de l'interview. Oui, ok. On ne parle plus maintenant. Bon. Merci. Okay. Derrière vous, d'abord, vous me dites que je commence à parler. À 9 ans, sans la reine Vadoise, sans la diaspora, sans le monde entier, ça va se finir. Ça va se finir. Sans l'enfant, est déjà, je ne sais pas. Le père de l'enfant, il nous a donné une voix pour ce mort qu'il nous a envoyé. Et le Seigneur nous a envoyé notre maman, notre grande maman, notre reine. Qu'on peut parler maintenant. Là, c'était une interview à la maman pour le visuel de Chef Rodrigue. Pour ce qu'il doit faire, as d'appui et tout là. Donc, il fallait que mon amour ait dit.
Je vais vous parler. Moi. Mais elle peut, non, elle ma Charlotte. Elle veut parler dans ici. Elle est la maman de Asda. Elle veut parler mieux que moi. C'est ici avec les enfants qui travaillent pour les sur les enfants chaque fois. Mais comme mon père, c'est tout moi. Donc son, même son grain, son ingrédient ne compte pas. Mais vous êtes soir quand même là. Quand vous êtes présente. Vous êtes présente. Ok, c'est bon, alors je vais venir parler, c'est bon. Je vous dis, toi-même, entretiens alors les gens de la toile là. Mais je les entretiens, bien sûr. De toute façon, on va manger du riz avec le poulet, risotto au poulet pour ces enfants là, oui. Vraiment. De façon, ils aiment bien le riz. Donc de façon, je vous dis, vraiment. Et ce jour là, on va préparer. Ils ont dit qu'ils auront plus de 300 enfants qui seront là. Plus même, hein. Donc. Plus de 300 enfants. Donc imaginez un peu les quantités de riz qu'on va préparer, les quantités de poulet qu'on va préparer. Vraiment, soyez nombreux. Donc on va acheter le poulet à Bafoussam. Acheter le poulet à Bafoussam. Les poulets sont moins chers à Bafoussam. Ah bon? Les poulets sont moins chers à Bafoussam que la magie. Voilà, il va acheter le poulet. On va, c'est mieux qu'on achète le poulet qu'à Bafoussam. Voilà. Tu dis, je vais pas acheter le poulet. J'achète le poulet. C'est bon. Donc je dis, moi, il va acheter le poulet. C'est à Bafoussam, on va acheter le poulet là. On va acheter le poulet là. Voilà, là, vous allez à l'interview par mon équipe. J'espère qu'ils vont constituer un flyer ou une mini vidéo. Vous allez visionner sur ma page et sur sa page également. Donc, comme je vous ai dit, l'événement c'est le 2 avril, la Journée internationale des enfants autistes. Ça me porte tellement à cœur de donner aussi, d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aider aussi ces enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Ce n'est pas en ayant beaucoup qu'on partage. C'est pas en ayant trop qu'on partage. On dit quand tu payes. À l'époque, à l'école primaire, quand on payait une sucette de 25, on coupait en 4. Et la vie était tellement belle. Aujourd'hui, quand tu veux couper la sucette à quelqu'un, on pense que c'est le poison que tu veux donner à quelqu'un. On pense que tu veux faire quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis tellement heureux de. Merci. Donc, merci. Ok, les portes sont ouvertes. Hein. Les portes sont ouvertes. Venez vraiment nombreux ce jour. Allez, vous allez voir les activités sur la page de Chef Audry et chez la Reine Galloise également. On va communiquer. On va faire les appels de dons. On va faire les appels de sponsors s'ils vont accepter. On va faire, mais déjà, nous sommes prêts à aller de l'avant. Donc on va communiquer les flyers, on va faire les visuels, on va faire les vidéos, on va faire tout ce qu'il faut. Je suis basé à Douala. J'ai mon petit restaurant que je me débrouille à l'Orpom Gabomba, là est le coup de saveur de vigne. Donc au saveur de vigne, c'est là-bas que je me base, c'est là-bas que je me débrouille. Donc c'est mon quotidien. Non, c'est mon quotidien. J'ai fait un événement pareil le 23 décembre dernier. J'ai nourri les enfants de la rue à la douche municipale à quoi. J'ai nourri plus de 400 enfants de la rue. On a parti toutes les journées, on a préparé sur place, on a partagé. Vous donnez les boissons, les cadeaux, tout ce qui était ce jour. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec les enfants autistes. Je suis avec ces enfants différents. Les enfants qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas choisi à naître. En être dans les conditions qui sont aujourd'hui. Donc, je veux donner un sourire. On n'est pas heureux, selon dit. Pour être heureux, il faut partager. On n'est pas heureux. Donc voilà. Merci beaucoup pour le soutien, vraiment. J'ai vraiment besoin grandement de vous. Les hommes de policiers dans tout le monde entier. J'ai vraiment besoin de vous. Je sais que c'est un petit garçon qui sait d'où il vient. Et merci vraiment. Merci vraiment. Je sais d'où je viens et voilà. Partager, donner du sourire, c'est en gagner. La meilleure richesse, c'est ça. C'est de voir son prochain héros. C'est pas l'argent, c'est pas les biens matériels. Merci. Donc, j'ai choisi la Reine Galloise parce qu'elle partage les mêmes visions que moi. Je commence l'interview. D'accord. Ok, à tout à l'heure, on reste un peu mieux. L'interview commence. Coucou mes amours de frères et sœurs, je suis la Reine Galloise, fondatrice, promotrice de ASDA. ASDA, c'est l'Action sociale diaspora africaine qui est née bientôt 3 ans au Cameroun. Cette action est née pour apporter du bonheur, du sourire, du hope aux familles qui avaient perdu ce sourire, qui avaient perdu ce hope. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants différents.
les enfants atteints de l'autisme, la paralysie cérébrale, la trisomie, les enfants épileptiques, les familles qu'on voit dans les sous-quartiers, qui sont rejetées par le peuple à cause de leur pauvreté, et en plus de la condition de les enfants qu'on traite des sorciers. La reine galloise avait la voix de Dieu. Depuis son jeune petit âge, a été révélé ce combat pour apporter le soutien à cette famille-là, afin de leur donner une deuxième chance de vie. Qu'est-ce que Asda fait? Asda au Cameroun, qu'est-ce que Asda apporte à cette famille? Déjà, la reine galloise a apporté le social de l'Europe dans ce pays. Nous édifions les familles quand ils arrivent le matin. Maman Charlotte qui est là édifie les familles. Quand je suis membre au Cameroun, on édifie les familles sur la pathologie de leurs enfants qui ne connaissaient pas. On encourage les familles à faire les actes de naissance, l'acte de naissance de leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents ici là qui n'avaient pas l'acte de naissance, qui se disaient que comme l'enfant est malade, l'enfant a un handicap, ça ne vaut pas la peine, l'enfant peut mourir d'un moment à l'autre. Donc ils négligeaient le côté acte de naissance de l'enfant. Donc nous édifions, nous encourageons les parents. On a encouragé les centaines de parents de faire l'acte de naissance de leurs enfants. On encourage les parents de faire la carte des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il y a beaucoup, parce qu'ils sont dans les sous-quartiers, et ils se disent que c'est un pays abandonné, c'est un pays où il n'y a pas le droit de l'homme. Pourtant, le Cameroun, c'est un pays de droit de l'homme. Quand tu connais ta loi au Cameroun, tu vis au pays sans problème. Donc, on les encourage de faire la carte des maladies. La carte des maladies qui les permet d'aller dans les hôpitaux publics, avoir des soins gratuits et certains médicaments que la carte des maladies peut ouvrir. Ça leur permet aussi d'ouvrir peut-être des boutiques ou bien de faire certaines activités sans qu'on leur demande des impôts parce qu'ils ont des enfants différents. Asda nourrit les parents chaque jour, différents parents chaque jour. Asda les donne le transport parce que leur faire sortir du sous-quartier, de leur quartier, c'est pas facile. Donc on les motive avec le transport afin qu'ils ont le courage de prendre la route avec les enfants. Asda met les parents et les enfants ensemble. Asda fait à ce que le parent découvre ce qu'il ne connaissait pas sur son enfant. Vous savez qu'il y a les enfants avec l'autisme qui sont tous rejetés, tous dans un coin de maison, enchaînés, rejetés par la famille parce que c'est un porte-malheur. Asda leur fait voir ce qu'on appelle le don qui est caché aux enfants autistes. Donc Asda doit faire voir aux parents ce que l'enfant peut faire. C'est que l'enfant même, le genre peut cuisiner, l'enfant peut faire laver les assiettes, faire beaucoup de choses au fait. De les tâches ménagères, l'enfant peut compter de 1 jusqu'à 10, l'enfant peut aussi parler, l'enfant peut répéter. Les familles ne donnent pas la chance à ces enfants. Parce que quand l'enfant est non-verbal, on se dit que non, il ne peut plus parler. Dès que l'enfant dit un mot, maman, on dit, hey, il a parlé comme ça, on commence à vouloir peut-être, je ne sais pas, troubler cet enfant-là. Nous donnons la chance à ses parents. On fait des activités éducatives ici. On donne la chance aux parents de voir ce que l'enfant peut faire afin qu'ils reproduisent la même chose à la maison au lieu de les laisser isolés. Quand un enfant est malade, le parent amène son enfant à l'hôpital. La facture, si la carte d'invalidité n'a pas couvert, ou bien si elle a pas eu la carte d'invalidité, la facture qui est payée à l'hôpital, elle revient à Asda avec l'ordonnance, avec la facture. Si elle a dépensé 50 000 francs CFA, nous donnons parfois 50%, voire 20% ou bien 30% de ce que nous avons dans la caisse. Asda aide les parents avec des fonds de commerce. Nous avons beaucoup de parents qui ne vont plus au travail, qui ont perdu, qui étaient des secrétaires dans les bureaux. Parce qu'ils ont accouché les enfants avec la paralysie cérébrale. Eux, ils abandonnent le travail. Ils ne peuvent plus rien faire parce que les enfants sont malades. Qu'est-ce que le parent devient après? Elle fait son petit colbox devant la porte. Elle vend les beignets haricots. Donc, elle prend maintenant la vie comme la vie lui montre. Donc, nous soutenons ces parents avec ce qu'on appelle le fonds de commerce chaque fois. Tous les parents ont une somme de 25 000 francs CFA. Peut-être beaucoup diront que 25 000 c'est quoi? Avant on donnait 200 000, les 150 000. On a vu que tellement on a des parents, parce que Douala et Yaoundé, on a 500 parents. Et à Bafoussam, on a eu 100 parents depuis que je suis arrivé là. Donc 600 parents nous avons dans les structures Asda. Si on commence à donner 200 000, les 300, les 150, on va donner à qui? C'est qui? La voix de Dieu m'a montré que arrondi à 25 000. Car ses parents sont les parents de Bayam Salam. Ils vendent des tomates, des oignons, ils font des cafés, d'autres sont des coiffeuses. Ces 25 000 pouvaient les soutenir à augmenter leurs fonds de commerce et tout, mes chers frères et sœurs. Les bienfaiteurs et les bienfaitrices qui déposent les dons chaque fois à Asda, nous remettons ces dons à ces familles chaque jour que Dieu a créé, de lundi à samedi. Ça veut dire quoi? Quand ils viennent faire des activités,
Durant les activités éducatives, eux, ils ont ce qu'on appelle le goûter. Après le goûter, on donne le repas chaud. Après le repas chaud, à la fin de, avant de partir à la maison, on leur donne les provisions. Sur la page de la Reine Galloise, tout est là. On leur remet les provisions, nous recevons des multiples bienfaiteurs. Et on leur donne 1000 francs de transport. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que la Reine Galloise fait à ses familles. Déjà, les faire sortir du quartier, enfin, ils se rencontrent. D'autres mamans voient d'autres. Donc, enfin, ils se rencontrent, elles se connaissent. Donc, peut-être, il y a une qui disait que, oh, elle était la seule dans le monde aussi. Dieu l'a maudite et tout. Pourquoi elle se comme ça? Dès qu'elle arrive à Asda, elle voit notre cas qui est plus pire que pour elle. Elle s'abstient, dit, oh, donc. Ça veut dire que pour moi, elle n'est même pas sortie. Il y a l'autre encore une qui est plus pire. Donc, elle s'entretient. Elle se console. Elle se donne le courage mutuellement avec avec le pouvoir du Seigneur et la volonté de Maman Charlotte qui est là, la Reine Galloise, les bénévoles et tout là, le pasteur Christian. Merci infiniment, mes chéris. Si en vrai tu as dit, tu me dis, papa. Oui, c'est bon? Oui, on parlait aussi d'événements. Voilà! Ah, maintenant, mes chéris, je ne veux pas couper. Avant de couper, pardon, désolé. Nous avons notre chef Rodrigue, notre petit frère, le mannequin des cuisiniers, le plus beau de sa génération, qui a pensé venir donner un peu de repas. C'est même via lui que je suis en train de parler comme ça. Oui, c'est même parti, je ne sais pas moi. C'est lui qui connaît. C'est même à cause de chef Rodrigue qui parle à la télévision comme ça. Hein. Donc, et son partenaire. Et son partenaire. Upgrade Group. AA Upgrade Group me donne la chance. Chef Rodrigue sera là le 2 avril pour la journée mondiale de l'autisme qui va se passer ici même à Douala, à l'action sociale. Le 4 avril à Yaoundé et le 6 avril à Bafoussam. Chef Rodrigue offre son temps, sa profession, son savoir-faire en cuisine, le zumento de la cuisine, le lion de culinaire. L'homme là le plus fort des cuisiniers du monde entier. Il va vous montrer comment il va nourrir nos enfants ce jour-là. Chef Rodrigue, le plus beau de sa génération. Restez connectés pour voir ce que ce grand chef va nous concorder ce jour. J'ai bien fait le français là. Oui. même le bagatelle. Maman Charlotte vient parler. Maman Charlotte vient parler. Peut-être qu'elle vient parler. Elle vient pour moi parler. C'est bon, c'est bon. Donc, comme je vous disais tantôt, le 2, le 4 et le 6, on sera à ces événements-là. Je serai là pour donner mon savoir, pour apporter ma pierre, ma petite modeste pierre d'édifice. Donc voilà, que le Seigneur vraiment me bénisse et qu'il nous bénisse aussi, qu'il bénisse tout le monde. Donc, merci encore la reine Galloise de m'avoir donné l'opportunité de m'ouvrir sur les portes chez elle pour apporter. C'est ensemble qu'on est fort, mon petit frère. Ensemble. Comme elle dit, c'est ensemble l'union fait la force. Voilà. Aller seul, c'est bien, voilà. Mais aller ensemble, c'est plus fort. C'est ça. Mes amours, on va vous laisser maintenant là pour aujourd'hui. Le soir, on fera un direct. Abonnez-vous massivement sur la page de Abo Mostata Lili, cette grande dame qui fait beaucoup dans l'humanitaire et qui apprend, qui édifie aussi sur la construction de maisons. Pour ceux qui construisent en Afrique. Ne vous perdez plus beaucoup. Allez sur la page de Teta Lili, elle fait ses émissions chaque jour. On va soutenir Teta Lili pour encourager nos frères et sœurs qui veulent construire en Afrique. S'il vous plaît, mes chéris. Elle a bien fait le français. Maman, le français est sorti. Hein? Maman, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Comment si bien nous choisir un chubby mon papa. Ah, ma mère, un chubby papa. Ainsi bien un dirigeant. On fait tcham. Donc, mes amours, nous sommes arrivés à la fin de ces jours, la Reine Galloise et Luther. Demain, on rentre au Royaume-Uni. Nous sommes à l'aéroport de Douala demain. Demain, à l'aéroport de Douala. Est-ce qu'on t'arrive au direct? Est-ce qu'on t'arrive au direct sur la page? On t'arrive ça? Tu peux t'arriver sur la page là-bas? T'arrive ton direct. T'arrive le direct sur ma page. Tu peux faire ça? On fait ça, on va voir. Pourquoi les mots vont nous lancer? Ah, avant de lancer. Ah, d'accord. Tu vois, il va aller. Il va aller. Je vais aller. Allez, ça pas chez. Ah, ok, c'est bon. Ça va aller, mais elle dit ça plus. Écris alors sur mon direct, je te tag là-bas. Ah, moi je vais. Tu as mon direct, tu as le mot en bas, ma page. Bien sûr, bien. Va écrire alors, entre dedans, tu écris dans le direct, je te tag. Je tag ton nom. Chef Rodrigue. Quand je vais écrire, je vais taguer ses mains. Tu donnes les dates du jour, on sera là. Tu vois, mais non, je tag. Ils vont voir. Bravo madame, faut solliciter Ndorbidi. Il peut. Pourquoi il va le solliciter? Il ne voit pas. Il est aveugle.
Je le sollicite pourquoi? C'est chez Broderick, on a sollicité chez Broderick. Il est venu de lui-même. Dieu l'a envoyé ici à Asda. On ne sollicite pas les gens, maman. C'est les gens qui viennent chez nous. Il est aveugle. Il n'est pas comme chef Broderick aussi là. Ou bien d'autres chefs qui disent ça. On le sollicite par rapport à quoi? Il est au cul du pape. Vous parlez quoi comme ça là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites comme ça? On ne sollicite pas les gens. Hein? C'est les gens qui viennent à Asda. Les enfants de Dieu viennent à Asda d'eux-mêmes. On ne sollicite pas les gens. On ne parle pas avec les gens. Donc voilà, chef Broderick, si on t'a sollicité, le voilà. Il va non, vous non, dire. Non, non, non. Tu es venu de toi-même. Je suis venu de moi-même. Voilà. Je t'ai contacté et tu as accepté. C'est ça. Voilà, donc. C'est la voix de Dieu. Quelqu'un qui veut venir, va venir. On ne refuse personne. Ah, ok. Il faut solliciter mort. Hein. Moi, je me dis. Chien, nous. Pardon. Moi, c'est Maman Charlotte, la maman du centre, avec le pouvoir qui m'était donné par la reine galloise. Je suis maman du centre. Pour faire Asda, Asda, c'est un but non lucratif. Asda a permis aux mamans des enfants différents de venir s'épanouir, se divertir, s'amuser entre frères et sœurs, nos enfants. Au Cameroun, nous les mamans des enfants différents, nous étions franchement abandonnés, égarés, dans le noir, ne sachant pas que de vous peut-être chemin prendre, pour avoir le fait que les membres qui les ont sortis aussi marchaient avec nos enfants. Mais grâce à la reine galloise, grâce à nos bienfaitrices, nous marchons de nos jours tête haute avec nos enfants différents. Nous donnons grandement merci à tous ceux-là qui soutiennent la reine galloise par rapport à ce combat. Nous ne cesserons jamais de prier pour tout cela qui vient semer les présents à Asda pour soutenir cette initiative qui a été mise sur pied dans notre beau pays, le Cameroun. Merci infiniment, parce que nous savons qu'avec vous, nous serons très loin. Asda a apporté aux mamans différentes beaucoup de choses, beaucoup de sourires. Il y en avait ceux qui ne savaient même pas de quelle pathologie les enfants souffrent. Mais grâce à la reine galloise, qui dit non, ce sont les enfants qui n'ont pas demandé à naître avec le handicap, qui ont aussi droit aussi à respirer l'air pur de l'extérieur. Ce sont les enfermés. Nous invitons vous les mamans différents, vous les mamans que les enfants différents, ne les plus les enfermer, ne les enchaîner plus, ne les coffrer plus dans les chambres, ne les isoler plus dans le noir. Sortez, venez à Asda. Vous allez voir que vous n'êtes pas les seules mamans qui a mis au monde un enfant différent. Peut-être qu'en voyant d'autres cas, peut-être, hey, donc je ne suis pas seule. Nous vous invitons, sortez avec nos enfants. Venez vous divertir à Asda. Parce que Asda, c'est leur monde. C'est leur nouveau monde. Merci infiniment. Et bravo à tous ceux-là qui viennent s'aimer dans leur vie. N'oubliez pas qu'en venant déposer un don dans Asda, vous donnez le sourire aux mille enfants différents. Et imaginez qu'un mille enfants différents le sourire aux lèvres. Votre récolte est toujours dans l'abondance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que la grâce et la faveur divine continuent à toucher le cœur, continuent à toucher ceux-là qui ont le cœur dans la paume de main, de venir s'aimer la vie des enfants différents. Merci infiniment à tous ceux-là. Merci à tous ceux qui ont s'aimé. Merci à tous ceux qui pensent encore venir s'aimer. Et nous remercions déjà, je remercie grandement, infiniment, mon fils, chef Rodrigue, qui a sollicité Asda pour venir ensemble donner le sourire le 2 avril aux enfants différents, aux enfants sans voix, aux enfants qui n'ont pas demandé à naître avec le handicap. Mon fils, je te dis un grand bravo. Que le Seigneur t'ouvre toutes tes portes, mon bébé, et que la fraîche rosée du matin continue toujours à t'arroser. Merci infiniment, papa. Ce jour-là, nos enfants seront en joie grâce à maman la fondatrice, grâce à notre bienfaiteur, chef Rodrigue, qui a décidé de faire le sourire, donner le sourire aux lèvres de ses enfants différents. Merci infiniment. Et nous remercions aussi beaucoup, infiniment, ceux-là qui pensent aussi ce jour-là venir partager ensemble cette journée. Parce que cette journée, ce serait une journée d'édifier, d'éduquer, de ventiler, de causer éducatif en faveur des enfants différents. Merci infiniment. Ensemble, l'union fait la force. Merci infiniment. Merci. La grâce vous accompagne. Merci.
bon week-end et bon journée. Merci, merci. Oh, Machallah a bien parlé que moi, oui. Oh, avant les cas, Machallah, tu es où, maman? Eh, Machallah, tu es où? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Maintenant, on peut parler. Elle est toujours en direct, moi, je voulais parler. Non, je suis en direct parce que les gens sont venus boire le blabdi au Cameroun, ils parlent, non? C'est lui qui parle, en fait. Ah, celui va parler, c'est lui qui peut apparaître. Ils sont tous maintenant. Je peux apparaître, en fait. Ah, non, non, non. Mais il va parler après. Je suis chez vous, c'est vrai, mon équipe... J'ai une équipe derrière, c'est tout à fait normal. Donc, je suis. Merci encore. Merci vraiment. Merci. 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 Je serai là. Et venez ensemble, on soulève la maman et ses enfants là. On va non, pas moi, on soulève les enfants. Oh, mais je vous précise quelque chose. Chef Rodrigue ne peut pas sans cube. Donc, je vous dis, je ne mange pas le cube. Je ne peux pas ma cuisine sans cube. Donc, ce jour-là, vous allez manger nourriture bio sans cube. Bravo papa. Voilà, je ne veux pas préciser ça parce que toutes mes nourritures, même dans mes traiteurs, c'est sans cube. Voilà. Voilà. Donc, c'est une précision. Et lui aussi va parler maintenant. Il va parler, mais plutôt par là-bas. Ah ok. Sur le soleil ici là. Il faut que ça apparaisse. Ok. Il va supporter le soleil. Papa, vas-y alors. Va parler alors. Ils sont tous, non? Il y a des gens qui ont dit un miracle. En chambre, il y a des déserts du Sahara, c'est un Cameroun. Hey, franchement, le soleil d'ici là, tu vois, il n'y a que le désert du soleil du Sahara. Qui est au désert du Sahara là? Pour ça, tu es beau à Cameroun, c'est là, maman. Il y a un tort, tu es une bonne signe. Avec l'huile de palme aussi. Tu veux pas, tu veux l'huile de palme aussi? Tu veux aussi boire l'huile de palme? Je voulais que tu me fasses vite au crâne de 2500 là. Je n'ai plus le net. Non, avec l'huile de palme. Ah, ok, il fait aller l'huile de palme, donc ça dépend du repas. J'ai une abonnée qui a posé la question. Il faut aussi avec l'huile de palme. Ça dépend du repas, quoi qu'il va faire, non? Qui pourra l'huile de palme. Avec les oranges et citrons. Ouais. Mes amours, je vous laisse, non, bébé. Je vous libère, non? Depuis quand même. Je suis en direct avec vous depuis. Hein, mes chéris. Bon, là, maintenant, je vais quitter ici. On va fermer le centre. On va aller faire les courses au marché. Marché de chèvres là-bas. On va aller faire les courses. Parce qu'il faut acheter les robes de Manabo. C'est Manabo est musulman, non? Il faut acheter ses robes. Ses robes avec l'argent que maman a donné. Le reste d'argent que maman a donné là. J'ai acheté les robes de Manabo avec, pardon, les robes des musulmans, parce que bientôt ils vont commencer le carême. Je vais demander les robes des les voiles là, non, tout ça. Commencer le carême, tout et tout. Ces bijoux là, avec ces boucles, ces bagues, tout et tout. Je vais au marché du Congo, chercher ça. Avec le vernis à Oussa, pour garder à Mana. Mana a bien pris soin de son petit frère Bradley. On envoie les cœurs à Branwin. Envoie les cœurs à Manabo Branwin. À Mana Branwin qui a pris soin de son petit frère Bradley pendant 10 jours. Elle mérite les cœurs. Elle mérite les cœurs. C'est comme tu élèves ton enfant en Europe que ton enfant te rend aussi service. Hein. Si vous voulez élever les enfants en Europe, en faisant que ces enfants étaient toujours les coupés, en les gardant pour un chat là. Maman, tu n'as personne en Europe. Tu es une femme seule avec les enfants. Tu dois forger ces enfants-là. Voilà comment la vie est. Pourquoi quand tu parles, hein, toi, la soeur regarde aussi ses frères. Pendant ma fille qui a regardé son petit frère pendant 10 jours. Jackie Moussoudou, comment tu vas bébé? Comment tu vas Jackie? Ma fille Branwin a regardé son petit frère, Bradley qui est autiste, pendant 10 jours. Je vais dire 10 jours parce que j'arrive chez moi dimanche. J'arrive chez moi dimanche, que je vais rentrer dans ma maison dimanche. J'appelle, je les appelle matin, midi, soir, au moins 7 fois par jour. À prêter l'enfant, pour que ma copine vienne le chercher pour l'amener à l'hôpital. À l'école, à prêter son petit frère le matin, tout repasser son habit, tout. Quand après ma copine vient en déposant ses enfants, elle va déposer aussi Bralla à l'école. Elle va rechercher Bralla à 14h. Elle revient encore, elle dépose encore Bralla à Branwin à 15h. Quand Branwin finit l'école, elle court vite à la maison. Elle prend vite dessus le bus pour la maison. Elle vient récupérer son petit frère. Elle amène son petit frère en ville. Elle fait ça à son petit frère. Elle cuisine pour lui. Elle fait comme ça. Il dit, Branwin, elle a 16 ans. C'est elle qui a regardé l'enfant. Le succès de mon enfant me suit sur la page. Ils connaissent que je ne suis pas là, je suis au Cameroun. Mais l'enfant, il va à l'école. L'enfant est tout propre. Les soins, mes yeux vont venir dire là que, oh, arrête de parler sans dire, on va prendre tes enfants à toi. Si on prenait mes enfants à moi, ils vont m'aider à regarder mes enfants. Enfin, ils viennent faire le combat de Dieu. Vous voyez, ça va me faire quoi? Ça va me faire trop trembler. Quand on prend l'enfant et l'enfant encore bébé, c'est là où tu trembles. Quand l'enfant, il y a les grands enfants que j'ai là, Bralé va aller à 9 ans. C'est un humain, toi, enfant de la magie seulement. Pas Bralé à Tulio, Karamba, Ambrou. Ce Bralé va aller montrer là-bas, on va l'amener là.
avant de venir le déposer encore, moi, ils ne vont pas comprendre. C'est quand tu accouches l'enfant, il est bébé, que tu trembles, que oh, l'enfant, le nouveau-né. Un an, tu as peur, non? Quand on peut prendre l'enfant, ça devient autre chose. Mais les enfants, là, si le jour, s'ils prennent un jour l'enfant, mes enfants, là, ils vont dire que non, laissez-moi aussi même me reposer, aller aussi travailler là-bas dans mon pays, là. Ils vont même là m'asseoir pour faire le travail. Là, ils restent chez eux, là-bas, c'est pas un problème. On ne va pas les tuer. Bravo à Branwyn. Bravo à Mana Branwyn. Ma fille m'a dit que dès que je vais à l'université, tu es libre d'aller au Cameroun. Tes enfants sont très beaux. Merci, maman Jackie Moussoudou. Merci, chérie. Francis Laroche, merci. Laetitia, merci, maman. Sandra Nadège. Attends, je ne parle plus. Le chef vous dit, parle. Non, c'est vraiment non. Il y en a sur les séries pour les commentaires. Tu salues les quotas. Mais tu sais, les gens, tu te vas sortir quoi? Et pourquoi tu sors la vidéo? Est-ce que tu as vu la première vidéo? Ça me dit une dure. Pas les parler. Tu encourages tous tes soeurs albinos comme toi. Que les amis, vous êtes les abonnés sont les plus jolis du monde. C'est comme elles et moi, nous sommes là. Regardez. Je suis là comme le Black Tunzi à côté d'elle. Eh, maman de Dieu. Regarde comment elle est Nyanga. Eh, maman, la petite, c'est de qui, maman? C'est ma petite, c'est Nadé Tchaya. Elle m'a gardé. Là, ce qu'elle m'a gardé, elle vend les bijoux, maman. Je vais te montrer, Rora. Je vais te montrer que tu m'as gardé. Là, ce qu'elle m'a gardé. Vous voulez que je sois belle, mais vous ne me gardez pas les bijoux. Là, ce qu'elle m'a apporté. Regardez tout ce qu'elle a apporté. Regardez vous-même. C'est ma petite, c'est ce qu'elle vend. Oui. Hein? Voilà ce qu'elle m'a apporté. Le chapeau de bain, moi, je n'ai pas les cheveux. Non, la première fois. Je vais te montrer les rouges à lèvres qu'elle m'a apporté. Regardez. Maman, le rouge à lèvres, c'est le bois fond de ton mari. Maman, m'a fait vouloir. Regardez ce que maman m'a apporté. Là, c'est que ma petite soeur m'a apporté. Pourquoi tu m'en veux pas? Je vais montrer, je ne sais pas pourquoi. Regarde là-dedans, mon cœur. Et ça, je me change un peu. Tu es laide. Toi, tu m'as dit l'autre jour que tu es laide, maman. C'est normal ça, maman. Elle me connaissait avant. Tu m'as dit laide. Bonjour, Nigona. Attends, je vais t'emballer, non? Regarde, mon emballage est sophistiqué, moi. Je suis laide, maman. Maman, laide, maman. Regardez ça. Ah, n'allez rien essayer. Avant, c'est. Mais coupez-moi maintenant, chef. On va nous parler. On va nous taper les commentaires. Mais quoi, bye-bye. Je vous laisse. Bisous. Chef Ryan. Chef Rodrigue. Bye-bye. Ah, le 2. Le 2. Venez massivement, s'il vous plaît. Venez massivement. Le 2. Le 4. Le 6. Le 2 à Douala. Le 2 à Douala. Le 2 à vous, la Douala. Le 4 à Ville à Yaoundé et le 6 à Bafoussam. On serait tous ensemble. Ça serait pourquoi la journée mondiale. La journée mondiale des enfants. De l'autisme. De l'autisme. Voilà, donc on va édifier ça. On va édifier sur ça vraiment. On va manger. On va danser. On va partager les dons. C'est ça. Donc on va partager. Comme vous avez vu Andir là, on va partager Andir la transparence encore et encore. Voilà. On va se jouer toujours à finir à 22h. Non, on finit, on a le programme, chef Boudjouk. On a un programme, Boba. On lance, comme est-ce que tu vas faire la cuisine ce jour-là, ici, là, non? Donc les caméras seront braquées, les trucs seront sur toi. Tu vas venir dans ta cuisine déjà. On va couper, relancer encore. Relancer. Tu vas venir, non? Mais à l'heure d'édifier, maintenant, on va parler, les parents vont parler, tout et tout, là. On va applaudir, on va danser, hein, Boba. Il y aura le pâté de. Quand tu vas commencer à servir, non? Bien sûr. On va servir ton repas, ce que tu vas préparer, tu vas faire le repas. Et après, maintenant, on va partager, maintenant, les dons. Ouais. On va maintenant remettre les dons que les bienfaiteurs apportés ce jour-là. Ce jour-là, effectivement. Le chef, pasteur Christian va prier. Bien sûr. Avant qu'on ne commence à manger même. Mm-hmm. Et donc, il va faire sa prière, tout comme d'habitude, pour bénir les bienfaiteurs, les bienfaitrices Asda. D'accord. Hein, mon père chéri. D'accord. Donc, c'est toujours comme ça, là. D'accord. Et on finit. Pasteur Christian, on finit tout avant 16h, non? On a fini. Toujours. Avant 16h. Voilà. Ça veut dire qu'on va débuter ici au plus tard. À 8h, on serait déjà là voilà. Pour poser les mamites au feu, pour mettre les premiers... Parce qu'il y a d'abord, on dirait d'abord de cuisine voilà, d'abord. Voilà, donc ce jour-là, on serait ici.
Pardon. Ils ont venu nombreux. Voilà. Si vous voulez voir comment chef Eurodic cuisine, venez. Voilà. Vous êtes invité aussi. 100 cubes. Il précise. Moi, mais je vais seulement voir le jour. On ne touche, Asda ne touche rien. C'est le chef Eurodic qui va préparer tout avec ses gens. Et ils vont seulement nous servir aussi, on va manger. C'est pas ça, chef. Maman, c'est ça. Voilà. Allez, bisous, mes chéris. Bye bye. Ciao, ciao. Thank you very much.